So good morning, everybody, and welcome to today's fully online event on agriculture, trade, and the Green Deal, how to bridge the gap. This is the title of today's event. My name is Gerardo Fortuna, and I'm a journalist based here in Brussels. I'm the agri-food editor at Euractiv, which is a media network covering EU policies and wider European politics. And I'm coming at you live from Euractiv newsroom in the heart of the EU quarter, and I'll be leading the discussion today. Welcome to all of you tuning in live. So today we're going to be talking all about trade and agriculture in the context of the EU's flagship environmental policy of the European Green Deal. Consistency and compatibility between the Green Deal and the EU's trade policy have been called into question recently. So we have citizens who are concerned because of the negative impacts of trade on the environment, for instance, while farmers are more worried that the latest efforts to make the European food system more sustainable may risk inadvertently encouraging unsustainable farming practices elsewhere. And actually, the application of the EU health and environmental standards to imported agricultural products is a topic of discussion in the ongoing talks on the reform of common agricultural policy, which is the EU's farming subsidies program. For instance, the Parliament expressed its concerns on imported tolerance for pesticides. So to use the words of Bob Dylan, the songwriter, things they are changing and moving on. And this is the reason why we're having this event online today. So we're going to touch on problems caused by the existing multilateral framework at the WTO level. And we will also have the possibility to being introduced to the main outcomes of a report drafted by the NGO FNH, the Nicolas Hulot Foundation, the farmers organization InterBEF, and the Veblen Institute on how to protect our farmers and the environment, a regulation to stop the imports of food from practices prohibited in Europe. And finally, we will have a high-level discussion on the links between agriculture, trade, and the Green Deal. So before we begin with the event, here's a quick technical explanation of how it works. So a few housekeeping points. So interpretation is available for this event. The options are French, German, and English. And you can switch language just by clicking the interpretation button below. You can see it from the below in the Zoom panel. Also, this is an interactive discussion, so we're going to be taking questions from you guys out there to our panelists, of course, in some dedicated Q&A sessions. So you're going to be able to ask your questions and engage with us right here in Zoom by using the chat function. Some have this function on the left or at the bottom of your screen. Anyway, it's quite visible on your screen. So feel free to use the chat to make comments or observation about what you're hearing, and also feel free to start asking questions as they come up, as you hear the panelists speak, and I'll be reading out those questions at the end of the panel. Once again, send us your question, and we're looking forward to hearing from you. So I think that's all on the technical sides for the moment. We have several distinguished guests with us today who are going to help us get through this issue. And here they are on screen with us, and I'll introduce them now. First, we have Nicolas Hulot, former French Minister for Ecological Transition, and also the Honorary President of the Nicolas Hulot Foundation for Nature and Mankind. Then we have the host of this event, Benoît Biteau. You already know, because it's basically the host, again, of this event. And last but not least, we have with us today Eric Andrieu, a socialist MEP, and also the rapporteur for the European Parliament on a crucial portion of the common agricultural policy, the so-called common market organization, which also deal with trade. So perhaps we're going to hear from him the latest trade-related news before the potential
final trilogue on common agricultural policy that will start this afternoon. So we'll go now into some sort of introductory conversation between these three panelists who are going to give us their take and brief views on the issue today. Nicolas, Benoit, Eric, over to you. Je vais commencer par remercier toutes les personnes qui nous écoutent ce matin. Bien sûr, remercier Nicolas et tous les invités d'avoir répondu présent à cette invitation. Et puis, un petit clin d'œil aussi à mon équipe technique qui a préparé pendant de longs jours cet événement et les remercier puisqu'on aboutit et on réussit à inviter sur ce sujet-là des panélistes prestigieux. Je pense bien sûr à Nicolas Hulot, Olivier de Schutter, Madame la ministre allemande, enfin, donc des personnes qui peuvent apporter un regard intéressant sur ce sujet, et mon collègue Éric Andrieux, qui effectivement, dans ce contexte de dernière ligne droite de négociation de la PAC, est fort occupé, mais qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là avec nous. Donc, d'abord, je me tourne vers Nicolas Hulot. Je suis vraiment ravi de t'accueillir à cet événement. Et pour engager le dialogue, j'ai envie de dire, ce qui m'intéresse, c'est les raisons pour lesquelles la fondation que tu as créée, que tu présides, a choisi de se concentrer, a concentré ses efforts donc, sur le lien qu'il y a entre écologie et commerce international. Pourquoi ce rapport, pourquoi ce choix à ce moment-là? Voilà, c'est peut-être pour lancer le débat ma première question tournée vers Nicolas Hulot. Bien, d'abord, un grand merci à vous et à toi en particulier, Eric aussi, d'avoir organisé ce dialogue dans une période assez cruciale, hein, puisque, et notamment, il y a un conseil imminent européen qui aura des décisions importantes à prendre. Juste une petite rectification par rapport à la présentation qui a été faite de moi. Je ne suis plus au ministère de la Transition écologique. J'ai été ministre en charge, mais j'ai quitté le gouvernement il y a déjà de cela pratiquement 2 ans. Pourquoi s'intéresser à ce lien entre écologie et commerce international? Pour une question, je dirais, centrale, qui d'ailleurs concerne l'ensemble des politiques publiques, une question de cohérence. Pour une question de cohérence, chacun peut le comprendre, c'est que dans le système actuel et ancien, et que l'on espère tous ensemble corriger, on est dans cette espèce de schizophrénie, c'est qu'on demande à nos agriculteurs un certain nombre d'efforts pour que l'agriculture qui, un temps, dans le domaine environnemental, a plutôt été du côté du problème, pour qu'elle puisse être maintenant du côté de la solution, et que d'ailleurs les agriculteurs et les agricultrices y trouvent leur compte, puisqu'on pourra, si on les associe à la transition écologique, diversifier leurs revenus et soulager quelque part leur stress économique. Mais si on leur demande des efforts, et c'est vrai dans beaucoup de secteurs, encore faut-il que les règles du commerce international ne permettent pas l'entrée dans notre territoire et dans le périmètre européen à des produits, des denrées qui, elles, évidemment, échappent aux mêmes contraintes. Et on voit bien que cette incohérence, elle est incompatible, évidemment, avec les exigences environnementales que l'Europe elle-même s'est fixée et avec l'effort constant et difficile de nos agriculteurs. Donc, dit autrement, le temps est venu que cette formule que chacun emploie du juste échange, son temps est venu. On ne peut plus rester dans des règles commerciales ou des absences de règles commerciales qui ne tiennent pas compte des réalités écologiques et simultanément d'ailleurs des réalités sociales. Donc ça fait très longtemps en fait que la Fondation s'intéresse à ces questions du commerce, depuis 2016, suite notamment à la COP21, et avec notre équipe, évidemment, on s'est rendu compte, comme beaucoup, que le commerce était ce qu'on appelle en français un énorme trou dans la raquette, et notamment les pays, et notamment la Commission européenne, je m'en rappelle, ils étaient venus à Paris, et avec comme ordre de négociation de ne prendre
aucune mesure qui pourrait entraver la dynamique des accords du commerce, type, évidemment, chacun s'en souvient, le TAFTA et le CETA. Et on s'était rendu compte qu'on était face à un système, enfin, on s'était rendu compte de deux choses. On était face à un système, soit le libre-échange, qui bloquait une grande partie des avancées potentielles dans la transition, et que sans modifier ces règles qui régissent le commerce international, il n'y avait aucune avancée possible, et on voit qu'on avait raison, puisque 5 ans plus tard, on est très loin, évidemment, des objectifs qu'on s'était fixés. Et puis, il y avait surtout une absence de pensée alternative sur ce sujet, c'est un peu encore comme ça, c'est d'un côté, on est pour l'absence absolue de règles, et de l'autre côté, on caricature, mais on est dans une forme de protectionnisme avec un repli sur soi. Il faut qu'on sorte de ces caricatures parce qu'on est tous convaincus, et c'est le rapport de la Fondation, entre autres, qui montre une alternative, qui a effectivement une alternative, et qu'on peut se servir des règles commerciales, et que ça n'est pas incompatible avec les règles de l'OMC, et c'est ce que le rapport tente à démontrer. Au contraire, on peut profiter de ces accords commerciaux pour en faire des leviers pour emmener l'ensemble de nos partenaires dans le monde dans un cercle vertueux. Et c'est donc l'idée n'est pas du tout, encore une fois, de freiner le commerce, mais de le réglementer. Mais il en est du commerce international comme des ensembles des politiques. N'en déplaise à chacun, c'est bien l'exigence écologique qui devra nous emmener dans un certain nombre de règles communes. Et personne ne peut se priver du marché européen, vous le savez mieux que moi, vous qui êtes dans les institutions européennes, c'est le premier marché économique mondial, utilisons cette puissance de feu, encore une fois, pour harmoniser les standards mondiaux et notamment les standards écologiques. Voilà, mais simplement ce que l'on voulait dire, on s'est intéressé à cela parce que nous avons bien vu avec nos agricultrices et nos agriculteurs, nous en France, combien ils étaient à la peine et même frappés d'une double peine, c'est-à-dire qu'on leur demande d'évoluer, de changer leurs pratiques, et puis ils se retrouvent face à une concurrence sauvage, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils voient arriver des produits, je ne dis pas n'importe quoi, qui utilisent des pesticides qui sont interdits sur notre territoire, ou des UGM qui le sont tout autant. Et donc, il fallait sortir de cette distorsion. Et nous sommes convaincus, et le rapport, et je ne rentrerai pas dans le détail parce que je laisserai ceux qui ont été à la manœuvre, fait la démonstration que des clauses miroirs, c'est-à-dire remettre un peu d'équité dans les échanges commerciaux, ne sont absolument pas incompatibles avec les règles de l'OMC. Je n'irai pas plus loin à ce stade. Merci Nicolas. Donc voilà, moi, ton propos forcément me touche beaucoup, puisque tu le sais, bien avant d'être député européen, je suis surtout paysan, et donc même si aujourd'hui je suis très mobilisé sur mon mandat électif, c'est mon métier, et donc forcément ces sujets de lien entre agriculture et écologie, puisque je suis député écologiste au Parlement européen, sont pour moi des évidences plutôt que des oppositions. Pourtant, et là je me tourne vers l'ancien ministre, on sait à quel point les ministères et les ministres donc de l'écologie et de l'agriculture sont pas forcément alignés, s'opposent même souvent, et on a l'impression que l'écologie et l'agriculture, les écologistes et les agriculteurs sont des adversaires. Alors que ce que moi je vis au Parlement européen, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression, et je le vis comme ça en tant que député écologiste et paysan, que les meilleurs alliés des paysans sont justement les écologistes. Et avec ce que tu viens d'exposer, cette volonté via l'Europe de tenter d'éviter que cette concurrence déloyale puisse venir des pays hors de l'Europe dans le cadre des commerces, avec ce qu'on appelle les mesures miroirs, on va définir un peu plus au fil de cet exposé ce que sont ces mesures miroirs que vous avez travaillé donc avec l'Institut Veblen, mais aussi avec Interbev, ce qui peut d'ailleurs surprendre hein, que la Fondation puisse travailler avec Interbev. Moi, je crois comprendre la motivation de votre étude, c'est de faire en sorte que ces avancées que tu as évoquées, Nicolas, à l'échelon de la France, de l'Europe, s'étendent à l'échelon mondial de manière à ce qu'on moralise un peu le commerce
tout en protégeant nos paysans européens, tout en protégeant nos paysans français, mais que les règles que nous, on essaie de faire avancer en Europe soient les règles un peu à l'échelon planétaire et que plutôt que de tirer vers le bas la réglementation européenne, votre tentative, enfin, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est de monter en gamme, de tirer vers le haut la réglementation à l'échelon planétaire, d'où la nécessité forcément de reprendre des discussions à l'échelon mondial dans, des, dans ce qu'on appelle des dialogues multilatéraux. Donc voilà, enfin, si tu pouvais réagir à cette sensation-là ou me dire si, si je me trompe, tout simplement. Non, non, tu ne te trompes pas, mais ce qui nous anime à la Fondation, et je pense que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, il faut, faut sortir des confrontations stériles. Nous, en France, on est encore dans l'agro-bashing ou l'écolo-bashing, alors que nos intérêts sur beaucoup de sujets, sur des sujets essentiels, sont des intérêts qui sont totalement convergents. Tu sais, j'en veux pour preuve, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité ces jours-ci en France, qui est-ce qui ramasse en premier les conséquences, notamment du changement climatique? Ce sont les agriculteurs qui viennent de se prendre une série d'événements météorologiques. Moi, je suis mais attristé pour eux. Donc, l'intérêt, l'enjeu écologique dans ses conséquences, mais aussi quelque part dans les opportunités que cette transition offre, il est assez convergent. On peut avoir des points de divergence, mais sur l'essentiel, la préoccupation écologique, elle concerne dans sa résolution et dans ses conséquences, prioritairement, évidemment, le monde agricole. Et il y a une volonté commune sur un certain nombre de sujets. Évidemment, dans le monde médiatique, c'était une gourmandise de vouloir en permanence confronter les écologistes au monde agricole. Mais ne tombons pas dans ce piège. Et la Fondation ne l'a jamais fait depuis très longtemps. Nous sommes dans le dialogue. Ça ne nous empêche pas d'avoir des positions affirmées. En tout cas, nous, on veut en sortir, pas tomber dans ces caricatures. On a depuis très longtemps, avec notamment Interbev, et tu l'as souligné, des discussions, un travail en commun. On l'avait même à mon initiative au moment de la COP21, parce que je reste convaincu, je remploie cette formule, que l'agriculture, le secteur agricole, peut avoir évidemment eu une responsabilité dans certains désordres écologiques, mais ils n'ont pas fait consciemment. Ils ont répondu à un certain nombre de critères et à des missions qui avaient été imposées dans une autre époque. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de travailler ensemble, de savoir écouter, se fixer des objectifs, mais aussi être capable de réaliser un diagnostic. Et de ce point de vue-là, les chiffres sont quand même assez éloquents. D'abord, les importations européennes de produits agricoles, chacun le sait, mais elles ont augmenté de 28% en 15 ans. En France, j'ai eu du mal à croire à ce chiffre, mais un éleveur gagne en moyenne 700 euros par mois. Et dans le même temps, on prend un retard considérable dans la bataille climatique. Donc, on a tous intérêt à voir qu'on a, on doit travailler ensemble si on veut reprendre la main. Et le travail qu'on a mené avec Interbev, il est la preuve que quand on met les acteurs autour de la table, on trouve des solutions qui permettent d'avancer réellement. Et c'est pour ça que le rapport que l'on porte, c'est un rapport constructif, c'est un rapport qui donne une voix, qui éclaire. Il faut vraiment qu'au moment justement où l'Europe est en train de, quelque part, de se projeter dans ce que doit être la politique agricole commune, de regarder à quelle conditionnalité chaque euro du plan de relance nous allons le soumettre. Je pense qu'on est dans un moment, et j'en termine, mais je profite de cette occasion pour le dire, assez inespéré, avec un alignement des planètes pour combiner tous les intérêts. Parce que si nous associons le monde agricole à la transition écologique, mais que nous le rémunérons pour cela, bien entendu, en diversifiant ses revenus, au moment où il y a une demande sociétale pour des produits de qualité et de proximité, au moment où les agriculteurs et les agricultrices peuvent nous aider à la transition énergétique, ils peuvent nous aider à stocker du carbone, ils peuvent nous aider à réhabiliter la biodiversité, mais à la condition, bien entendu, que ces efforts que nous leur demandons ne soient pas, confrontés à une absence d'efforts des produits qui seront importés dans l'espace européen. C'est le moment de la cohérence qui fait tant défaut à nos politiques publiques, et c'est ce que ce rapport propose, c'est de mettre fin à cette incohérence. C'est possible
c'est possible et c'est la grande, me semble-t-il, exclusivité de ce rapport et ça n'est pas incompatible avec les règles de l'OMC. Merci. Merci Nicolas. Excellente transition d'ailleurs pour moi. Mais je reviens quand même sur ce que tu viens de dire. C'est justement parce que ce rapport dit tout ça que je tenais absolument à ce que tu puisses témoigner ce matin. Et tu le sais, je suis très attaché à cette dimension de rémunération pour service rendu, pour service écosystémique. Et il faut que ce soit une rémunération, que les agriculteurs sortent de cette sensation d'être des assistés avec des subventions. Là, on rémunère des acteurs de la vie économique qui prennent soin de l'intérêt commun et on le fait avec de l'enveloppe publique. Et donc, c'est ça la force de ce dispositif de rémunération pour services rendus ou pour services écosystémiques. La raison pour laquelle on a également souhaité cet événement maintenant, c'est qu'on est effectivement dans une phase charnière sur les politiques commerciales, sur les politiques agricoles à l'échelon européen. On a d'un côté le pacte vert européen qui cherche à insuffler une nouvelle dynamique aux politiques européennes. Et de l'autre côté, on a l'impression que les politiques agricoles et commerciales sont insensibles à cette mue verte nécessaire à l'échelon européen. Et on a un bon exemple, hein, et c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui sur l'organisation commune des marchés dans la PAC, et Eric, ça va être à toi d'intervenir, et je sais que tu es sur le pont depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, et on voit bien les difficultés qu'on rencontre justement dans le cadre de l'organisation commune des marchés à aligner nos réglementations. Mais je voulais revenir sur la conclusion de Nicolas qui disait que ces mesures miroirs qu'on appelle de nos voeux sont parfaitement compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. Et donc, Eric, si tu voulais, dans cette phase-là, où je sais que tu es au cœur du dispositif, nous expliquer un peu en quoi on peut faire avancer les choses, et en particulier dans le cadre de la réforme de la PAC. Oui, merci. Merci, Benoît. Vraiment, merci. Merci à Nicolas. On n'est pas surpris, finalement, de l'entendre s'exprimer de la sorte. Je crois que ses propos sont au cœur du combat. Tu disais plusieurs mois, ça fait plusieurs années que nous sommes sur cette politique agricole commune, puisque moi, pour ce qui me concerne, j'y suis depuis 2018, voilà. Mais effectivement, les choses sont complexes et ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est vrai que, et on va le voir dans le rapport, Nicolas est déjà rentré finalement dans le contenu du rapport et c'est intéressant, mais je crois qu'on va revenir sur les mesures miroirs tout à l'heure parce que les mesures miroirs, elles font appel à l'aspect bilatéral. Je crois qu'il y a des sujets qu'il faut qu'on appréhende plus dans le détail. Je crois qu'on le verra dans le débat. Parce qu'entre les approches bilatérales, multilatérales ou unilatérales, comme on l'a vu donc, en particulier hier, on a commis un vote hier au Parlement européen sur les microbioles, c'était donc c'est une mesure unilatérale européenne, lorsqu'on parle de standards, qu'on a le courage de nos politiques, en étant vigilants à ne pas être sous le sceau de la répression des partenaires commerciaux, nous pouvons aussi faire avancer les choses. Donc, effectivement, la question évoquée par Nicolas sur le courage politique, elle est posée. Et c'est vrai que depuis trop longtemps maintenant, au sein du Parlement européen, mais pas qu'au sein du Parlement européen, je veux dire, les débats sur l'agriculture ou l'environnement sont trop sous-déterminés par les règles du commerce international, qui datent de 1990. Donc je pense qu'il faut effectivement, et là c'est pour ça que le rapport arrive à point nommé, si je peux me permettre, il faut vraiment cesser ce type de position. Il faut effectivement que la question de l'intérêt de la vie, tout simplement, prenne le pas, et c'est un enjeu politique, sur le côté mercantile de quelques-uns. Je veux dire, et ça, c'est un sujet sur lequel il faut que nous soyons forts en termes de démocratie au sein du Parlement, parce que on est toujours soumis, tu sais bien, Benoît, à ces pressions-là, des mêmes, finalement, de ces multinationales de l'agrochimie, de l'agro-industrie, qui dictent, finalement, le comportement du fait démocratique. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne la mesure de ce qui est en train de se produire. Et c'est le sujet qui nous occupe, hein, tu sais bien, sur l'OCM, c'est qu'on ne peut pas à la fois faire progresser nos standards donc au niveau européen, ce qui est le cas, hein, donc, et Nicolas y faisait référence, et à la fois accepter que des... Et ce n'est pas du protectionnisme quand je dis ça, c'est un choix éminemment politique, il regarde les enjeux climatiques, environnementaux, biodiversité, farm to fork, etc., faire progresser nos standards et accepter que des produits importés ne respectent pas le minimum de nos standards européens.
Et moi, je pense que c'est un sujet sur lequel je trouve encore que nous manquons de courage. Et lorsque je vois, tu sais bien, les échanges que nous avons avec la Commission, qui a une vision encore... En fait, on a deux commissions au niveau européen. On a une commission qui a pris la mesure et la dimension et l'enjeu climatique, hein, donc du Green Deal, à travers les stratégies biodiversité et Farm to Fork. Et on a une partie de la Commission, moi je dis souvent, elle est splittée en deux, qui est encore très conservatrice, très ultralibérale. Comment dire, quand on prend Trade, quand on prend la DG Agri, et on voit bien donc qu'on est sur des raisonnements du passé. Et là, c'est un sujet, c'est-à-dire qu'il faut que la Commission, de mon point de vue, parle d'une seule et même voix. Mais j'ai envie de dire que là où je suis assez optimiste, finalement, malgré le débat que nous avons qui est complexe, hein, c'est que l'OMC, finalement, on est assez d'accord pour dire que ça ne va pas, quoi. Et qu'il faut vraiment faire évoluer les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et là, moi, sincèrement, on voit bien que les choses évoluent à l'interne. Hein. On voit bien qu'on a posé, dans le cadre de nos débats, nous, au sein de l'OCM, justement, un certain nombre d'éléments. Je pense que ça va progresser. Hein. Donc, est-ce qu'on va atteindre le niveau d'objectif qu'on s'est fixé? Ça, j'en sais rien. On va en débattre tout à l'heure. Mais ce qui est important également, et je le dis là avant de recéder la parole à Nicolas, c'est que les ONG, en partenariat avec le secteur, et là je vois Marine Colli qui est parmi nous donc aujourd'hui que je salue, se saisissent vraiment de cette problématique-là, avec tout le sérieux du contenu du rapport. Parce que ça va permettre de faire progresser la conscience, donc, hein, et de faire progresser la décision politique. On ne peut pas continuer de la sorte, donc, hein, où les règles du commerce s'imposent au sens même de l'engagement politique. Et quand je parle d'engagement politique, c'est l'engagement territorial. Donc, hein, on ne peut pas demander à des agriculteurs d'avoir un européen, d'avoir ce souci des standards, donc, hein, et ne pas réguler finalement toutes ces logiques-là de la concurrence déloyale. Donc, parce qu'il en va du lien qu'il nous faut recréer, c'est un impératif qui nous appartient à tous, entre l'agriculture, l'aliment, la santé humaine, la biodiversité et le climat. Et ce lien, il a été dissous tout au long des 50 dernières années sur des visions, d'indicateurs liés au PIB. Il faut se dire, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Il nous faut vraiment reconsidérer tous ces aspects-là. Et moi, je dis un dernier mot là-dessus. Je pense que nous allons avoir un débat en septembre très intéressant sur ce qu'on appelle donc le débat sur l'avenir de l'Union. Vous savez que le 7 septembre, la Commission et la présidente vont présenter des orientations sur l'avenir de l'Union. On pense souvent que c'est le programme annuel. Non, ça donne la ligne finalement qui va être suivie pour les 2-3 ans qui arrivent. Et moi, je crois que dans ce débat sur l'avenir de l'Union, nous devons, au sein du Parlement, être très exigeants sur la vision qui va être donnée justement. Et donc là, on ne peut pas avoir à la fois des grands objectifs, Green Deal, Farm to Fork, biodiversité, et de ne pas se donner des moyens concrets pour permettre l'atteinte de ces objectifs-là. Et là, il en va de nos responsabilités politiques sur lesquelles il faut vraiment que nous travaillions de concert. Et là, le rapport qui est fait, et moi je pense que dans ces éléments-là, il faut que la notion de révision des accords de libre-échange soit très présente donc, hein, dans le débat sur l'avenir de l'Union. Voilà ce que je voulais dire, et sincèrement, merci donc à la Fondation Nicolas Hulot d'avoir commis ce rapport qui doit permettre de nous faire progresser finalement collectivement sur ces enjeux-là, donc autour du commerce, de l'agriculture et de l'environnement, et finalement de notre mode de vie. Voilà, donc c'est un clin d'œil à Nicolas. Je pense que c'est à lui de réagir sur ses premiers propos. Oui, je peux que souscrire à cela et je crois qu'on a dit l'essentiel en introduction de ce rapport, mais encore une fois, tout ça, j'insiste sur ce mot, une question de cohérence. Moi, je crois beaucoup que l'Europe peut être une fantastique matrice pour essayer d'harmoniser un certain nombre de règles communes que l'on doit se fixer face à la réalité écologique. Mais il faut évidemment sortir des vieilles habitudes. Moi, je suis profondément marqué, frappé de voir que dans des accords de libre-échange que les États signent entre eux, les seuls domaines qui ne sont pas contraignants dans ces accords de libre-échange, comme par hasard,
ce sont ceux qui concernent l'environnement. Et ça, ça n'est pas tenable par rapport aux contraintes qu'on doit s'imposer. La cohérence aussi, c'est effectivement de ne pas permettre à des produits ou à des denrées de franchir l'espace européen si elles ne sont pas assorties des mêmes contraintes que pour nos acteurs économiques. Mais la cohérence aussi, c'est que dans l'autre sens, j'en profite pour le dire, parfois l'Europe se permet d'exporter un certain nombre de molécules qu'elle a interdites dans son propre espace. Donc c'est, voilà, il faut qu'on ait encore une fois cette exigence, parce que c'est ça qui, encore une fois, crée de la confrontation ou ce sentiment d'injustice. Voilà, donc en résumé, on n'est évidemment ni à la Fondation, ni avec Interbev, ni avec qui que ce soit contre le commerce. Bien au contraire, il doit servir la transition écologique. Et si par exemple, et je reviens, et ça sera le débat que vous allez entamer, l'Union européenne décidait enfin d'imposer ces clauses miroirs qui tirent vers le haut les standards, on peut espérer que nos partenaires commerciaux, eh bien, qui souhaitent continuer et qui ne peuvent pas se passer du marché européen, il ne faut pas avoir l'Europe honteuse. Encore une fois, on a besoin des autres, mais ils ont aussi besoin de nous. Et même chose, quand les producteurs européens sont moins disants pour exporter, eh bien, ils devront eux aussi maintenant améliorer leurs pratiques. Et puis, j'insiste là-dessus, au moment où la politique agricole commune est remise en perspective, pour moi, il en est de l'argent de la politique agricole commune que l'argent du plan de relance. Chaque euro doit être au service du bien commun. Ce n'est pas de plus d'argent dont on a besoin souvent, c'est de l'argent qui soit bien mieux conditionné si on veut, encore une fois, emmener tout le monde dans ce cercle vertueux. Ben oui, moi je crois que c'est ça l'enjeu. Tu me permets, Benoît, de faire juste la transition. Donc, c'est ça l'enjeu. On est au cœur, et je crois que la FNH est au cœur du débat que nous conduisons. Et c'est vrai, je vais le redire, mais hier, on a voté quand même un texte important hein, l'interdiction de l'importation des produits animaux qui ne respectent pas nos standards en matière d'antibiorésistance. Enfin, c'est une façon d'affirmer nos standards. Et c'est vrai que la Commission a déjà agi en supprimant, comment dire, toutes les tolérances à l'importation de pesticides agissant sur la santé humaine. Un de nos combats, qui est actuellement sur lequel nous travaillons beaucoup dans le cadre de l'OCM, c'est qu'effectivement, on aille jusqu'au bout. En fait, on dit encore un petit effort. Donc, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, il faudrait maintenant, dans ce souci-là aussi donc, d'harmonisation et d'élévation de nos standards et de respect de ce qui vient d'être dit, que l'on supprime la tolérance à l'importation de pesticides agissant sur l'environnement et la biodiversité. Alors là, nous, on l'a posé comme un acte fort dans le cadre de l'OCM. On était allé beaucoup plus loin sur nos amendements, mais effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, on s'est bien rendu compte, on est sous le sceau finalement. Ce qui est dramatique à constater, c'est qu'on est sous le sceau des règles de l'OMC et que donc les droits se superposent, se hiérarchisent et on s'auto-bloque. En fait, on est sous ce mirage des règles de l'OMC où tout le monde se gosse de cette approche-là et on s'auto-bloque dans nos approches. Donc, nous avons effectivement de fait de retirer certains éléments de nos amendements qui étaient beaucoup plus ambitieux, puisqu'ils n'étaient pas soi-disant, nous dit-on, mais de toutes parts, OMC compatibles. Et on a fait un travail de précision pour essayer d'aller jusqu'au bout, au sein de l'OCM, justement, pour supprimer la tolérance sur l'importation des pesticides agissant sur la biodiversité et l'environnement. Alors là-dessus, on est en débat. C'est un des derniers sujets qui nous reste à régler. C'est le fameux 188 bis, pour ceux qui suivent les dossiers de près. L'important, nous semble-t-il, c'est que vraiment, on prenne acte. On prenne date et acte d'aller jusqu'au bout de la démarche. On ne peut pas continuer à avoir les objectifs, ne pas mettre les moyens, etc. Alors, est-ce qu'on va gagner le combat au sein de l'OCM? Est-ce que ce n'est pas la bonne base juridique, comme le disent certains, et qu'on le traite dans les mois à venir, dans l'approche farm to fork? Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas déplacer le sujet, ne pas l'appréhender et ne pas le régler dans les mois qui viennent. Alors, ça sera peut-être aujourd'hui ou demain dans le cadre de l'OCM, et ça, c'est mon vœu le plus cher, ou dans tous les cas, un engagement ferme dans les mois qui arrivent. C'est-à-dire qu'on a rendez-vous avec Farm to Fork en 2022, il faut à minima, donc, que fin 2022, cette question soit totalement réglée et qu'on ait une harmonisation
comme on a fait hier sur les produits d'antibiorésistance, comme ça a été fait sur les pesticides qui agissent sur la santé humaine, il faut aller jusqu'au bout de la démarche et qu'on traite d'interdiction de la tolérance à l'importation de pesticides qui agissent sur l'environnement ou sur la biodiversité. Sans cela, nous allons manquer de cohérence et sans cela, tout ce qui est dit là donc, n'aura pas de sens. Parce que ça participe des futurs accords. Et si on veut réviser les accords au sein de l'OMC, et si on veut revisiter finalement le contenu des accords, soit bilatéraux, voire multilatéraux, et on va l'évoquer tout à l'heure, bien, je pense qu'il faut qu'on aille sur ce niveau d'exigence-là, que l'Union européenne a une lourde responsabilité à l'échelle internationale. Et je pense que c'est maintenant que ça se décide. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du débat sur l'avenir de l'Union. Je pense que ce débat-là, en 2021, n'est pas n'importe quel débat. Ce n'est pas un débat rituel, si vous voulez, donc, hein, ce qui doit donner le là à l'impulsion de ce que nous avons déjà engagé. Voilà mon point de vue, et voilà ce sur quoi on travaille aujourd'hui, d'ailleurs, cet après-midi et demain, pour essayer de faire prendre conscience, donc on l'a déjà fait, hein, de cette lourde responsabilité qui est la nôtre. Alors, ça sera dans le cadre de cette réforme ou l'an prochain, avant tout fort, mais il faut que ça aboutisse impérativement dans les mois à venir. Voilà ce que je voulais rajouter. Je vais laisser Gérardo maintenant reprendre la main. Merci à tous les deux, en tout cas, de ces éclairages. Je pense que ça pose bien le débat qu'on souhaite engager ce matin. Donc, merci infiniment à tous les deux de votre contribution, du travail de la Fondation aussi, Nicolas, du travail que tu fais, Eric, dans le cadre de l'Organisation commune des marchés, dans le cadre de la réforme de la PAC. Donc, merci à tous les deux. Voilà, l'enjeu, c'est ça, c'est d'essayer d'intégrer d'autres paramètres que les simples règles du commerce, d'autres traités internationaux sur fond de nouveaux rapports du GIEC hier, se demander si l'accord de Paris, par exemple, ne pourrait pas être un sujet qu'on doit aussi intégrer dans les accords de libre-échange. Voilà. Bon, je laisse Gérardo maintenant reprendre la main. On a été très long, je sais que ça va être facile maintenant, difficile, pardon, de rattraper le retard, mais on s'était dit qu'on prendrait le temps. Et je pense que ces propos introductifs étaient très importants. Donc, Gérardo, à toi de prendre la main. Thanks, Benoît. Yeah, no, I mean, it was good because it's always a pleasure to listen to. It's not that common to listen to politicians having this frank conversation. It's a pleasure actually for journalists and for people that are listening to us today. So thanks for this good eagle-eyed view of the current debate around trade, ecology was mentioned by Nicolas, agriculture, and I'm sure we'll get back into a few of those issues shortly. And let me say that I like the wording alignment of planets when it comes to public policy on this field that Nicolas mentioned. It was very suggestive. Now, let's dive into this report we've already mentioned today. And we have here with us Samuel Leray, Mathilde Dupré, and Marine Colli, who are going to kick things off here and presenting the main points and proposition of the report. Samuel is from the Fondation Nicolas Hulot. Mathilde is from Institut Veblen, which is an economical think tank. And Marine is from Interbev, which is the Association of French Beef Farmers. Just a quick info, because I saw questions are flowing into the online platform already. We'll have this first Q&A after this first panel, but please send us questions only on the report for the moment, because we will have a second part of the event completely devoted to a broader view on trade and agriculture. But now let's hear from the authors of their report, basically their takes. The floor is yours. Samuel, you can start. Bonjour à tous. Un grand merci à Benoît Mitot et à toute son équipe pour cette co-organisation d'événements. Donc, on en a beaucoup parlé déjà, mais l'idée, c'est de revenir un peu plus dans le détail du rapport qu'on a co-écrit à trois organisations, donc la Fondation Nicolas Hulot, Interbev et l'Institut Veblen, qui s'intitule « Mondialisation, comment protéger les agriculteurs et l'environnement ». Et nous, ce qu'on propose, c'est un règlement européen pour protéger l'environnement et les agriculteurs. Mathilde, si tu veux avancer la slide.
Donc, l'idée, en fait, c'est une alliance, mais Nicolas en a déjà pas mal parlé. C'est vraiment de remontrer que dans le débat public, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau français, souvent, on essaye d'opposer agriculture et écologie, agriculteurs et écologistes. Et là, l'idée, ce qu'on a voulu faire avec Interbev, c'est justement de démontrer que c'est un débat dans lequel on ne veut absolument pas être enfermé. Nous, nos organisations, on est capables de dialoguer, de se mettre autour d'une table et d'écrire des propositions et de les porter dans le débat public ensemble. On n'a aucun problème là-dessus, on le fait déjà depuis longtemps, Nicolas l'a dit, hein. Les discussions avec Interbev remontent à 2015 et bien avant sur la question de l'élevage. Alors évidemment, on n'est pas d'accord sur tout. Évidemment, on peut avoir des désaccords. Mais là, ce qu'on voulait montrer avec ce rapport, c'est de montrer qu'à trois organisations, on était capable de faire une proposition qui tenait la route, aussi bien d'un point de vue du respect du droit de l'OMC, parce qu'on va y revenir après longuement avec Maître Clémentine Baldon sur ces questions juridiques. Mais c'était vraiment essentiel pour nous de travailler ensemble et de montrer ce qu'était ce dialogue. Ce rapport, il se passe dans un contexte particulier. Ça a été dit, mais on voudrait vraiment insister là-dessus. Donc, c'est la crise climatique, la crise aussi de l'alimentation, où il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'alimentation, et une vraie crise sociale pour les agriculteurs européens. Ça se passe dans un contexte qui est très particulier, puisque vous le savez, ça fait des grands débats en France, mais pas seulement. On a une multiplication des accords de libre-échange, et nous, Nicolas l'a très bien dit, mais on voudrait l'insister, nos trois organisations, on n'est pas contre le commerce, mais on pense qu'entre le libre-échange, comme il est mis en place actuellement par la Commission européenne, et le protectionnisme idiot qui est défendu par l'extrême droite, on pense qu'il y a une troisième voie, c'est ce que nous, on a appelé le juste échange, et qu'on peut se servir du commerce pour faire la transition écologique. Parce que là, on a vraiment un constat et une problématique, Nicolas l'a dit, ce chiffre, depuis 2005, on a augmenté de 28% nos importations. C'est-à-dire que depuis 2005, chaque année, l'Union européenne, c'est bien d'un point de vue de l'Union européenne, importe chaque année un peu plus de produits agricoles. Et au même moment, on a la courbe qui se croise avec les revenus des agriculteurs qui diminuent. Et ça s'explique, ça a une cause, hein, c'est pas seulement, mais c'est parce que notamment, les règles européennes laissent entrer sur le marché européen des produits qui sont produits soit avec des pesticides interdits, soit avec des pratiques agricoles qu'on a interdites. Donc, ça crée une concurrence déloyale et c'est surtout néfaste pour pouvoir faire la transition agroécologique. On a vraiment la conséquence de ça, c'est vraiment ce qui se remarque, c'est vraiment même parfois un abaissement des normes environnementales au nom du commerce. On a un exemple qui est très parlant, c'est en 2013, on était en train de négocier, si vous vous en souvenez, l'accord avec les États-Unis, donc le TAFTA-TTIP, et l'Union européenne a décidé de réautoriser quelque chose qu'on avait interdit, qui était le lavage à l'acide lactique des carcasses, donc c'est une pratique qui est encore très peu courante dans l'Union européenne, mais on l'a réautorisé pour pouvoir faciliter les négociations commerciales et laisser les importations de viande américaine rentrer sur le territoire européen. Et la seconde conséquence, c'est directement dans la législation européenne, notamment dans la législation européenne sur les pesticides, puisque vu qu'on laisse entrer sur le territoire européen des denrées agricoles qui ont été traitées avec des pesticides interdits, du coup, justement, pour éviter la concurrence déloyale, eh ben, on va donner des dérogations. En France, on en a beaucoup parlé, c'est les néonicotinoïdes. Donc, vous savez, ce sont ces pesticides qui sont tueurs d'abeilles, qui ont été réautorisés, mais s'ils ont pu être réautorisés en France, c'est bien parce que le règlement européen prévoit ces dérogations. Et donc, ça va être un des grands enjeux, à un moment donné, si on veut tenir les objectifs qui ont été fixés de réduire l'usage des pesticides de 50% d'ici à 2030, eh bien, on va devoir sortir des pesticides et donc supprimer ces dérogations. Et donc, ça, on ne pourra le faire que si on met des mesures miroirs. Et puis, le second point qui est important à avoir en tête, c'est que depuis des années, on est conscient de ça, et on est conscient aussi qu'il y a certains pays, certains partenaires commerciaux qui fraudent, qui ne respectent pas les règles. On a une mesure miroir qui existe jusqu'à présent, c'est pour ça quand on nous dit que ce n'est pas possible, on voit que ça existe, c'est sur le bœuf aux hormones. On a interdit le bœuf aux hormones dans l'Europe, et c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire, et on a aussi interdit dans l'Union européenne les importations de bœuf aux hormones. Et on s'est rendu compte, il y a eu un audit de la Commission européenne qui a été fait, qui a conclu que justement, les Canadiens ne mettaient pas en place les mesures suffisantes pour s'assurer que la viande qui était importée du Canada était bien sans hormones. Donc, on a eu cet audit qui arrive à cette conclusion et la Commission européenne n'a pas du tout agi. On aurait pu imaginer qu'il y ait des sanctions sur le Canada en disant bah, « tant que vous ne changez pas vos règles d'abattage,
Du coup, on va bloquer les importations de viande de bœuf parce que vous ne respectez pas nos normes. Non, la Commission européenne n'a pas voulu y aller. Donc, on a un vrai problème de vérification et d'action de la part de la Commission européenne, même sur les quelques règles qui peuvent exister. Si on rentre dans le détail maintenant de certains produits, et notamment sur les produits sur les pesticides, on a fait l'étude de cas dans ce rapport d'un produit assez emblématique de la transition agroécologique qu'est la lentille. Pourquoi c'est un produit emblématique ? Tout simplement parce que la lentille, c'est une protéine végétale et qu'on va en avoir besoin de plus en plus. C'est aussi une plante qui permet de capter l'azote. Donc, c'est vraiment un vrai élément central de la transition agroécologique. Et là, on s'est rendu compte, si vous regardez les chiffres, qu'un tiers des lentilles qu'on nous consommons en Europe, ce sont des lentilles qui viennent du Canada. Le Canada, c'est le premier exportateur mondial de lentilles. Et si le Canada peut exporter autant dans l'Union européenne, c'est parce qu'il a parce que sa lentille, notamment sa lentille verte, est moins chère. Pourquoi elle est moins chère ? D'abord parce qu'ils peuvent utiliser des pesticides qui sont interdits chez nous. Dans l'Union européenne, et à raison, on a interdit un produit, donc le Sancor ou Sancoral, en fonction de si on prend le nom canadien ou le nom européen, est interdit depuis 2014 dans l'Union européenne. Mais comme il a été dit juste avant, il y a des tolérances à l'importation. Donc, on autorise les lentilles qui ont été traitées avec ce produit-là. Donc, ça donne un avantage compétitif puisque le Sancoral permet d'accélérer un peu la culture de lentilles. Et puis, il y a aussi des différences de pratiques. Le glyphosate, vous savez, hein, c'est un grand débat. Il va revenir sur la scène européenne d'ici à 2022. Mais sur le glyphosate, il est autorisé et dans l'Union européenne et dans le Canada. Mais on a des pratiques sur le glyphosate qui sont différentes. Dans l'Union européenne, on n'a pas le droit de traiter juste avant la récolte. C'est autorisé au Canada. Et ça donne un vrai avantage aux Canadiens. Pourquoi ? Parce que le fait de mettre, de pulvériser du glyphosate juste avant la récolte, ça permet d'assécher la lentille, donc de faire ce qu'on appelle la dissécation, de la faire directement au champ. Donc, vous avez un vrai gain, vous avez un vrai gain de temps puisque vous pouvez après passer la moissonneuse batteuse et vous faites la récolte directement. Et donc, ça se voit sur le prix. Puisqu'en fait, la lentille canadienne, elle arrive au port dans l'Union européenne entre 5 et 600 euros la tonne. Donc, c'est le même prix que la lentille européenne peut être vendue sur le marché européen. En revanche, la vraie différence, c'est qu'en Europe, on a ce qu'on appelle la bruche. Donc, c'est un insecte qui va rendre 5 à 10% des lentilles non utilisables. Et ça peut se rendre, on peut s'en rendre compte qu'au moment de l'industrialisation de la lentille. Donc, vous voyez, vous avez le choix, en fait, l'industriel, entre de la lentille canadienne qui est utilisable à 100% au même prix que la lentille européenne. Mais la lentille européenne, vous savez que vous allez devoir en perdre 5 à 10%. Donc, vous voyez bien que l'explication sur la lentille, c'est bien parce qu'on a des normes environnementales qui sont différentes. Évidemment, ce n'est pas la seule chose, mais c'est ça qui explique qu'actuellement, près d'un tiers des lentilles que nous consommons sont des lentilles canadiennes et pas des lentilles européennes. Bonjour, alors, je suis Marine Colli, moi je travaille pour Interbev. Je suis une des auteurs du rapport et donc je suis là pour représenter les professionnels de la filière viande bovine française. Donc on a traité dans ce rapport, on a fait un focus sur l'exemple de la viande bovine. Avant de rentrer dans le détail, je vais peut-être vous dire que nous, au sein d'Interbev, on partage avec la Fondation Nicolas Hulot, l'Institut Veblen et beaucoup de monde, en fait, une même ambition, c'est celle de protéger, pérenniser et faire progresser notre modèle d'élevage familial, herbagé et autonome, c'est-à-dire peu ou pas dépendant des achats d'intrants pour alimenter les animaux. Et c'est ce même modèle, il nous semble, que l'Union européenne dit vouloir encourager, notamment dans le cadre du Green Deal. Mais ce qu'il faut dire en introduction, c'est que ce modèle d'élevage-là, il est aujourd'hui en danger de disparition. En France, on perd déjà 2000 éleveurs chaque année, 2000 éleveurs de bovins qui disparaissent de nos territoires. Et une des explications à cette disparition et à la situation dramatique que vivent nombre d'éleveurs qui sont encore en activité, c'est qu'en fait, l'Europe, elle ne se donne les moyens ni de protéger leurs revenus, ni de protéger leur modèle d'élevage et justement ces pratiques durables. En fait, Nicolas Hulot l'a un peu dit, on demande un peu tout en même temps aujourd'hui aux éleveurs. On leur demande d'être les champions de la durabilité et ce cap, encore une fois, on le partage, ce cap vers le progrès. Mais on leur demande aussi en même temps d'être les champions de la compétitivité par le prix sur le marché mondial. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'on le voit sur la carte que vous avez à l'écran, la concurrence des viandes bovines importées depuis les pays tiers sur le marché européen, elle est déjà là. On importe déjà 300 000 tonnes de viande bovine produite dans les pays tiers en Europe.
et elle sera sans doute là encore plus forte dans les années qui viennent si tous les accords de libre-échange que la Commission européenne a déjà conclus ou est en train de négocier entrent en application. Donc, ce n'est pas possible parce qu'il y a ces volumes, mais ce n'est pas possible surtout parce que ces viandes importées, elles proviennent de systèmes d'élevage qui sont soumis à des normes de production bien moins disantes par rapport à celles qu'on impose aux producteurs européens. Donc ça, c'est ce qu'on savait déjà avant de se lancer dans la rédaction du rapport. Donc là, on a voulu aller plus loin et regarder concrètement quelles sont les différences de normes qui existent aujourd'hui entre les élevages bovins européens et les exigences qu'on impose aux élevages des pays tiers qui sont agréés pour exporter vers l'Union européenne. Donc, on a réalisé ce travail important de comparaison réglementaire en regardant précisément quelles normes l'Union européenne impose à ses éleveurs aujourd'hui en matière d'alimentation animale, d'utilisation des médicaments vétérinaires, de traçabilité et de bien-être animal, puis en comparant ces exigences avec ce qui est demandé en miroir aux éleveurs des pays tiers qui souhaitent accéder au marché européen. Donc, alors dans le rapport, on n'a pas fait la liste exhaustive de toutes ces différences de normes, on a choisi d'en lister quelques-unes qui nous semblaient les plus emblématiques ou les plus problématiques, en fait, dans un souci de cohérence des politiques publiques dont on a parlé ou dans un souci de recherche de durabilité pour notre élevage. Donc, on vous en liste ici quelques-unes. Un des premiers sujets qui nous semble important, c'est le sujet des farines animales. Ou des protéines animales transformées, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant. Sur ce sujet, c'est clair, dans l'alimentation des bovins en Europe, toute forme de protéines animales transformées est bannie, et ce, depuis la crise de la vache folle. En revanche, quand on regarde la réglementation canadienne ou américaine, par exemple, on se rend compte que plusieurs formes de protéines animales transformées, par exemple des farines de sang, qui peuvent provenir de ruminants, sont autorisées et utilisées en routine dans les élevages canadiens, par exemple, qui sont agréés pour exporter vers l'Union européenne. Autre sujet important pour nous, c'est celui des antibiotiques. Alors, Éric Andrieux en a un petit peu parlé, notamment la question de l'utilisation des antibiotiques pour accélérer la croissance des bovins. Alors, sur ce sujet, effectivement, la législation européenne a évolué. Une première mesure miroir existe dans le droit européen, puisque un article, l'article 118 d'un règlement sur les médicaments vétérinaires de 2018 a été adopté. Depuis, il y a quelques évolutions également sur des règlements liés au contrôle. En revanche, ce qu'on constate, c'est que cette mesure miroir, elle n'est toujours pas appliquée concrètement, tout simplement parce que l'acte délégué qui doit venir l'appliquer n'a pas été pris. Donc, on continue d'importer des viandes brésiliennes, par exemple, qui sont issues de bovins dopés aux antibiotiques. Troisième sujet emblématique pour nous, c'est la traçabilité. En Europe, on a une traçabilité obligatoire à l'animal, de son lieu de naissance jusqu'à son lieu d'abattage. Ça veut dire qu'on trace vraiment l'animal sur toute sa vie. Cette règle de traçabilité, elle ne s'impose pas du tout à nos partenaires commerciaux. Si on prend l'exemple du Brésil, alors de manière générale, la traçabilité, elle n'est que facultative. Et quand on regarde spécifiquement les viandes qui sont produites pour être exportées vers l'Union européenne, donc issues de ces filières dédiées, on se rend compte qu'elles sont issues de bovins qui sont tracés, mais uniquement entre le dernier élevage, ce qu'on appelle le feedlot, ce sont ces fermes gigantesques de 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 bovins, et l'abattoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur tout le reste de la vie de l'animal, de la naissance jusqu'à son arrivée dans ce feedlot, on ne sait absolument rien. Ça veut dire aussi qu'on importe aujourd'hui, on importera peut-être encore plus demain, des viandes brésiliennes qui sont peut-être issues de bovins qui sont nés et ont été élevés dans des élevages qui sont responsables de la déforestation de l'Amazonie. Enfin, dernier sujet qu'on a abordé, c'est le bien-être animal. Donc là encore, on a fait une comparaison réglementaire et on s'est rendu compte que sur toutes nos exigences, par exemple sur le sujet du transport, on a en Europe une règle de 8 heures de transport maximum pour les animaux vivants. Ces règles, elles ne sont pas du tout demandées à nos partenaires commerciaux. Et puis j'irais même plus loin, en fait, quand on a épluché les réglementations canadienne, américaine, brésilienne, on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment pas de règles pour assurer aux animaux, au stade de l'élevage ou du transport, des conditions minimales de bien-être animal. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, tu peux passer, Mathilde, à la slide suivante. Voilà ce qu'on demande dans notre rapport. En fait, c'est très simple. On demande que sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, les règles imposées aux éleveurs européens le soient aussi aux éleveurs des pays tiers en miroir dès lors que ces éleveurs veulent accéder au marché européen.
ce qui revient à interdire les viandes qui sont issues d'animaux traitées avec des produits vétérinaires ou nourries avec des aliments qui ne sont pas autorisés par la réglementation européenne ou qui ne respectent pas les règles de traçabilité fixées par la réglementation européenne. Et ça veut dire aussi interdire les viandes qui sont issues d'animaux qui n'ont pas bénéficié de certaines conditions minimales en termes de bien-être animal telles que fixées par la réglementation européenne. Mathilde, si tu veux enchaîner. J'enchaîne. Et donc, moi, je voulais vous parler maintenant des règles miroirs que nous recommandons pour le volet pesticides. Puisque ça a bien été montré, on a un système de deux poids, deux mesures aujourd'hui. Et donc, l'objectif, c'est d'interdire la mise sur le marché européen des denrées alimentaires qui sont traitées avec des substances non approuvées par le règlement pesticides en raison des dangers que ces substances présentent pour la santé ou pour l'environnement, y compris les risques élevés qu'elles représentent pour les abeilles. Et cette interdiction pourrait être mise en œuvre au moyen de certificats déclaratifs, comme ça existe aujourd'hui en ce qui concerne l'interdiction du recours aux hormones de croissance dans l'élevage. Mais cette mesure seule ne saurait suffire pour garantir le respect des objectifs annoncés dans le Green Deal et ceux aussi de la stratégie Farm to Fork que Samuel rappelait tout à l'heure de moins 50% d'utilisation des pesticides d'ici 2030. Et parce qu'il faudrait aussi faire preuve d'une approche cohérente et non discriminatoire vis-à-vis de l'OMC. Et donc, elle doit s'accompagner de la suppression de la possibilité d'octroyer des dérogations à l'intérieur de l'Union européenne pour les substances qui ont été considérées trop dangereuses. Et bien évidemment aussi de l'interdiction de la production, du stockage et de la circulation au sein de l'Union européenne de ces substances, à l'instar de l'interdiction qui a déjà été adoptée en France dans la loi Egalim de 2018. Ça, je voulais redire qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas du tout la tendance qu'on observe, puisque, par exemple, l'Union européenne exporte 56 000 tonnes de pesticides chaque année vers les pays du Mercosur, et que quand on regarde les pesticides qui sont utilisés au Brésil ou en Argentine, il y a environ 50% de l'ensemble de ces pesticides importés qui sont classifiés comme extrêmement dangereux. Et on voit que cette situation pourrait se détériorer encore avec l'approbation croissante et rapide de nombreuses nouvelles substances au Brésil et surtout avec la mise en œuvre de l'accord UE-Mercosur, l'accord commercial UE-Mercosur, qui prévoit de supprimer les droits de douane sur 90% des produits, des exportations de produits chimiques de l'Union européenne. Donc là, il y a un vrai enjeu de concurrence, comme ça a été rappelé, pour que l'Union européenne soit aussi exemplaire en la matière. Et qu'elle n'exporte pas les produits qu'elle ne veut plus utiliser sur son propre sol. Et évidemment, pour que toutes ces règles puissent être effectives et efficaces, il faudrait prévoir des contrôles renforcés, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on voit les rapports de l'EFSA qui pointent des défaillances de façon récurrente, notamment sur le respect des limites maximales de résidus, y compris sur les produits très dangereux. Et puis des procédures de sanctions vis-à-vis notamment des producteurs non conformes. Alors, on l'a dit déjà largement en introduction, c'est le bon moment, il y a un vrai alignement des planètes, comme dit Nicolas Hulot, pour avancer sur ces questions-là, dans le cadre des travaux législatifs sur la mise en œuvre du Green Deal, de la stratégie Farm to Fork, évidemment les discussions sur la PAC, mais aussi dans le cadre des négociations commerciales en cours avec nos partenaires, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est deux sujets complètement distincts. Pour tous les gens qui s'occupent des règles commerciales, ils ont l'impression que ces accords de commerce qu'on négocie n'ont rien à faire avec ces questions de mesures miroirs. Nous, on pense au contraire que ça devrait aussi faire l'objet de discussions avec nos partenaires commerciaux. Quand on a des négociations bilatérales, on a commencé à travailler sur ces sujets tous ensemble, nos trois organisations, au moment de l'examen détaillé du CETA, et c'était un sujet important pour les parlementaires français, notamment quand ils ont examiné le CETA. C'est aussi à nouveau un sujet qui rencontre un écho particulier dans le cadre des discussions sur l'accord UE-Mercosur. Et donc, il faut avoir là aussi une approche cohérente. Et donc, on a essayé de regarder aussi par où on pouvait commencer pour mettre en œuvre ces mesures miroirs de façon très concrète. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de procédures législatives en cours dans lesquelles on pourrait avancer concrètement.
Marine a mentionné la réglementation sur les médicaments vétérinaires de décembre 2008, qui prévoit déjà une mesure miroir pour les produits importés avec une utilisation d'antibiotiques comme activateurs de croissance. Il faut que ça rentre en œuvre en 2022 et pour ça, il faut des actes délégués, donc il faut les prendre sans attendre. Ensuite, il y a l'amendement qui a été évoqué par Éric Andrieux sur les tolérances, la fin des tolérances aux importations pour les substances qui n'ont pas été approuvées en raison des critères d'exclusion. Ça, c'est évidemment un pas important dans la bonne direction, même si on n'arriverait pas à couvrir l'ensemble des pesticides, notamment les substances dangereuses pour les abeilles, a priori. Donc ça devrait faire l'objet d'un autre travail, notamment dans le cadre de la déclaration conjointe qui est en train d'être préparée entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour définir les prochaines étapes sur toutes les autres pratiques interdites qui étaient initialement mentionnées dans la première version de l'amendement qui avait été déposé sur la politique agricole commune. Mais on a aussi listé un certain nombre d'autres législations à venir, celle sur la déforestation importée, qui pourrait être aussi un outil clé pour mettre en place des mesures de traçabilité renforcées et aussi pour interdire l'entrée sur le marché de produits ayant engendré la déforestation. Il y a également la révision de la directive sur l'utilisation durable des pesticides, un audit général en cours sur la réglementation sur le bien-être animal qui pourrait donner lieu à d'éventuelles propositions législatives. Et bien sûr, cet outil des mesures miroirs, il pourrait s'avérer décisif à l'avenir aussi pour continuer à faire progresser la réglementation européenne. Donc là, on n'a pas fait une liste exhaustive, mais on pense notamment à la question du non-renouvellement de l'autorisation du glyphosate après 2022, qui là encore serait essentiel pour tenir l'objectif de réduction de 50% des pesticides d'ici 2030. Mais aussi des discussions en cours et les réponses qui vont être données à l'initiative citoyenne européenne réussie de cette année sur la fin de l'élevage en cage, parce qu'on voit bien que sur ce sujet aussi, si on veut une interdiction dans l'Union européenne, ça devrait s'accompagner d'une interdiction qui couvrirait les produits importés. Voilà, on va continuer, nous, ce travail de repérage de toutes les réglementations et toutes les procédures législatives sur lesquelles on peut travailler sur ces mesures miroirs, mais en conclusion, on voulait dire qu'il y a beaucoup de fenêtres d'opportunité pour avancer concrètement sur le sujet, surtout si le Parlement européen et les États membres s'emparent activement du sujet. Le ministre français de l'Agriculture a encore redit mardi soir au Sénat que ce serait une priorité de la présidence française de l'Union européenne en 2022, cette question des mesures miroirs. Et on compte bien, nous, y travailler pour que ce le soit vraiment, et puis aussi que d'autres États membres soutiennent cette proposition de la France. Merci. Many thanks, Mathilde. That's a great overview of the study. And now we move to Clémentine Baldon, who's a lawyer, and we'll address the elephant in the room because we're talking about the Green Deal, the EU's trade policy, but still you need to come to terms with the World Trade Organization. So, please, Clémentine, tell us a bit more about the compatibility of the measures proposed with the WTO rules. Over to you. Bonjour à tous et merci. C'est effectivement le gros sujet, la compatibilité OMC. Et c'est pour ça que les organisations à l'origine de ce rapport ont souhaité le traiter et pas uniquement proposer une mesure politique, mais préempter en fait les arguments qui allaient immanquablement être mis en avant sur l'incompatibilité avec les règles de l'OMC de ces mesures. Alors, vous l'avez tous dit, et c'est clair, c'est un blocage majeur, l'OMC, et puis ça a un impact réel de bloquer des avancées, ne serait-ce que par le risque que ça représente. Et c'est vrai, c'est un obstacle réel, enfin, il y a des raisons justifiées pour le mettre en avant, puisqu'il est vrai que, par exemple, dans les comités de l'OMC, donc on appelle par exemple SPS pour les mesures sanitaires et phytosanitaires,
ou OTC, qui est le comité sur les obstacles techniques au commerce, les mesures nationales protectrices font bien l'objet de critiques par les partenaires commerciaux, et c'est déjà le cas du règlement européen sur les pesticides, qui est déjà critiqué de manière assez récurrente par les partenaires commerciaux de l'Union européenne. C'est vrai. C'est vrai aussi qu'on a certaines décisions, notamment très vieilles, les plus anciennes, qui ont été rendues sous le GATT, donc avant l'OMC, avant 1995, qui sont très restrictives sur les mesures un peu unilatérales des États, même en matière de protection de l'environnement, notamment une décision alors non formellement adoptée, mais qui est quand même, qu'on reprend souvent, qui s'appelle la décision Thon, de 91. Et il est vrai, et ça c'est peut-être justement le problème majeur de l'OMC, du droit de l'OMC tel qu'il existe aujourd'hui, que l'argument de mettre fin à la concurrence déloyale, aux distorsions de concurrence, n'est pas admissible devant l'OMC. Ça, c'est un argument qui est politiquement fort et qui est très fort pour justifier l'acceptabilité de mesures protectrices. C'est un argument aussi de bon sens, puisque effectivement, imposer des mesures protectrices, si on ne peut pas l'imposer à nos partenaires commerciaux, on risque de miner l'effectivité des mesures avec une externalisation des pratiques néfastes. Mais ça, pour le coup, il est vrai qu'il n'est pas entendu devant l'OMC. Alors, ce tableau étant posé, ici, l'idée, c'est pas d'être de. Alors, il y aurait plein de choses à faire pour réformer l'OMC, voire même pour réinterpréter les règles, pour les rendre cohérentes avec l'ensemble des nouveaux accords que les partenaires commerciaux ont pris, enfin, l'accord de Paris, etc. Donc, il y aurait beaucoup de choses à faire. Ici, on s'est mis dans l'idée qu'on restait à droit constant et de dire aujourd'hui, donc, l'OMC, la réalité de l'OMC, est-ce que vraiment ça ne nous permet pas de prendre des mesures du type des mesures miroirs ? Alors, il faut rappeler quelques principes qui sont quand même assez fondateurs dans l'OMC. La souveraineté des États est reconnue et aussi leur droit fondamental à déterminer leur niveau de protection qu'ils souhaitent. Aussi, depuis l'OMC en tant que tel, donc 1995, le développement durable est reconnu comme un des objectifs de l'OMC, donc dans le préambule. Donc ça, ce sont des éléments déjà importants qui penchent sur une meilleure acceptabilité donc, de mesures protectrices de l'environnement. On a aussi une tendance plus favorable de la jurisprudence des juridictions de l'OMC, donc quelques décisions, notamment crevettes et des produits dérivés du phoque. Alors, ce n'est pas parfait, c'est encore des avancées timides, mais certaines, d'un point de vue des principes juridiques, il y a quand même certaines avancées assez importantes, notamment pour ouvrir la voie à des mesures nationales protectrices et avec un aspect unilatéral et extraterritorial. Et puis, c'est aussi important de revenir, d'avoir quelques ordres de grandeur, parce qu'il y a une certaine disproportion quand on voit l'impact énorme qu'a justement ce risque ou le risque du risque d'incompatibilité OMC sur toute avancée. Et qu'est-ce que c'est en chiffres, en fait ? Il faut garder en tête que depuis donc plus de... depuis 1995 et donc l'OMC, on a eu plus de 70 000 ce qu'on appelle des notifications, c'est-à-dire quand les États prennent des mesures qui peuvent être restrictives au commerce, ils les notifient aux autres membres dans le cadre des comités, donc OTC et SPS. Enfin, ce sont les comités qui sont le plus proches donc des mesures qui peuvent être environnementales ou santé, mais pas que. Et sur ces 70 000 notifications, on a eu environ une vingtaine de décisions. Enfin, une centaine de différents qui ont commencé, mais seulement une vingtaine qui ont donné lieu à vraiment des décisions. Donc, ça reste très peu. Enfin, pour des avocats, c'est vraiment très, très peu de jurisprudence, même comparé à plein d'autres domaines du droit. Et puis, on a aussi des précédents qui ont montré que certaines mesures miroirs ou presque miroirs prises par l'Union européenne n'ont pas donné lieu à des différends ou pas à des décisions en tant que telles, notamment les régulations européennes sur l'abattage qui s'imposent aussi aux produits importés et les fameux poulets chlorés. Alors, il y a eu des critiques, il y a eu un début de différend, mais ce n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, dans ce qui est, quand on est quand même sur une analyse de risque, il est quand même important de comprendre qu'est-ce que c'est que ce risque en pratique. Si on rentre maintenant plus dans l'analyse technique, alors excusez-moi d'avance parce que c'est tout le vocabulaire OMC.
Donc, pour brosser les grands traits, on a plusieurs types d'accords au sein de l'OMC et nos mesures miroirs, elles sont aussi diverses. Et elles ne seraient pas à supposer donc, qu'on ait effectivement un différend formel et donc que ça aille devant ce qu'on appelle l'organe de règlement des différends de l'OMC. Celui-ci devrait aller juger de la compatibilité ou non de ces mesures ou de la mesure qui serait visée avec les règles de l'OMC. Et donc, la première étape serait de voir quelles sont les règles applicables. Et là, pour déterminer ces règles, il faudrait voir quel est l'accord applicable. Donc, il y en aurait trois potentiellement applicables à ces mesures. L'accord qu'on appelle SPS, donc sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, donc qui vise plutôt en grande ligne les mesures qui visent des objectifs de santé. L'accord OTC, qui est sur les obstacles techniques au commerce, qui vise plutôt les autres, et le GATT, qui s'appliquerait en même temps. Donc, sans rentrer dans les détails, enfin, ils se ressemblent tous ces accords, ils ont plein de d'obligations qui se recoupent. Les grandes qu'on retrouve un petit peu partout, c'est l'obligation de non-discrimination de la mesure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les produits importés soient traités de manière moins favorable que les produits domestiques. La nécessité, qui est finalement un critère assez, qui est peut-être assez exigeant, puisqu'il demande qu'il n'y ait pas d'alternative moins restrictive au commerce qui puisse être mise en œuvre à la place de la mesure. L'exigence d'avoir une base scientifique. Alors ça, c'est surtout pour les mesures qui affectent la santé, mais c'est quelque chose d'important. Les standards internationaux, ça figure dans certains des accords, mais ce n'est pas un obstacle insurmontable quand c'est standards internationaux. C'est-à-dire que si on va au-delà des standards internationaux, ce qui serait le cas des clauses miroirs, ce n'est pas insurmontable si on montre que ces standards internationaux ne sont pas efficaces, adaptés au regard de l'objectif poursuivi. Et un dernier point qu'on retrouve sous plusieurs appellations, mais qui est très important, c'est la cohérence des mesures, la cohérence de leur application, la cohérence de la politique et la bonne foi, donc là, ici, de l'Union européenne, quand elle les applique. Donc, je vais brosser, mais de manière assez rapide, puisqu'on est déjà avancé dans le temps et puis ça serait peut-être trop technique. J'ai mis donc de manière schématique comment ces accords seraient appliqués pour trois types de mesures miroirs, qui sont les mesures qui concerneraient les pesticides qui sont interdits parce qu'ils sont trop dangereux pour l'environnement et dont on interdirait du coup l'importation des denrées traitées avec ces substances. Ensuite, les mesures qui traitent cette fois-ci des pesticides trop dangereux pour la santé. Et puis, celles sur des standards minimums de bien-être animal. Donc, la première, je vais peut-être rentrer juste pour celle-là un peu plus dans les détails et les autres, ça se ressemble beaucoup. Sur l'exigence de non-discrimination, alors là, intuitivement, on se dit qu'il n'y en a pas, puisque ben, finalement, ces mesures miroirs, justement, elles sont là pour mettre fin à une sorte de discrimination à rebours, c'est-à-dire que les produits européens sont soumis à des règles supérieures aux produits importés, et donc c'est ça qui crée justement une difficulté dans l'efficacité de ce qu'on cherche avec ces mesures protectrices, avec les règles protectrices. Et donc là, donc, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de discrimination. Après, c'est un peu plus compliqué que ça dans les règles de l'OMC, puisqu'il pourrait avoir quand même une reconnaissance d'une sorte de discrimination de facto, c'est-à-dire dans les faits, du fait que, bah, vu que les denrées européennes sont déjà soumises à ces interdictions, par exemple, d'utiliser ces pesticides dangereux pour l'environnement, il se trouve que les denrées qui seront importées à partir du moment où elles, dans le pays d'exportation, ces substances sont autorisées, elles subiraient donc de fait une discrimination. Donc, on reconnaît bien que oui, là, il est possible que ces mesures ne passent pas le test. Mais ce n'est pas, ce n'est pas parce que ce test-là n'est pas passé que les mesures ne seraient pas compatibles, puisqu'on a ce qui s'appelle l'article 20 du GATT, qui fixe tout un nombre d'exceptions, notamment en matière d'environnement, de bien-être animal, de santé, qui pourraient être mises en avant pour aller sauver la mesure. Sous l'accord OTC, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est technique, mais de la même manière, ce n'est pas insurmontable, cette exigence de non-discrimination. Et là, on peut rappeler l'affaire Hormone, même si l'affaire Hormone de croissance, donc, qui allait devant l'OMC, a une issue qui finalement n'a pas été favorable. Mais dans les principes, elle a posé des principes intéressants, et notamment qu'une mesure miroir en tant que telle, parce que c'était vraiment une mesure miroir, c'était l'Union européenne qui appliquait son interdiction du recours aux hormones de croissance également aux produits importés.
cette interdiction en tant que telle n'était pas discriminatoire. Donc c'est une première ouverture ici qui ferait que même si on ne passe pas ce premier test, on arriverait à sauver justement la mesure par d'autres articles. S'agissant maintenant du critère de nécessité de la mesure, donc on retrouve à la fois dans l'accord OTC et dans le GATT, il faudrait, de manière encore schématique, démontrer que les mesures visent des objectifs légitimes, ce qui serait bien le cas ici, et notamment la jurisprudence ouvre la possibilité de se prévaloir d'objectifs de protéger l'environnement, de protéger les ressources épuisables, ou même la moralité publique, qui est une exception intéressante, parce qu'elle pourrait être utile, notamment ici pour ces mesures, pour dire que les citoyens européens ont des exigences aujourd'hui éthiques de ne plus participer, via leur consommation, à la destruction de l'environnement à l'étranger. Et donc, ce serait une exception qu'on pourrait utiliser. Encore faudrait-il, bien sûr, de montrer que la mesure est proportionnelle, ne va pas au-delà de ce qu'elle vise, et donc que les alternatives ne sont pas valables. Et on pense, en matière d'environnement, notamment aux limites maximales de résidus. Alors, c'est intéressant, et d'ailleurs, c'est en train d'évoluer, pour, vous l'aviez mentionné, pour introduire des critères d'environnement, mais ce n'est quand même pas une réglementation qui est faite pour ça, c'est une réglementation qui est plutôt faite pour la santé, c'est-à-dire que quand le consommateur ingère la substance, est-ce que oui ou non c'est dangereux pour lui, c'est moins fait pour gérer des problèmes environnementaux, parce que comme environnementaux, et donc il faudrait le montrer pourquoi, en tout cas c'est une mesure transitoire, mais il faut aller encore plus loin pour protéger justement cette exigence des citoyens européens de plus en plus forte de ne pas participer à la destruction de l'environnement partout dans le monde. Les standards internationaux, je l'ai déjà dit, ce n'est pas insurmontable. Et ensuite, le dernier point, je le dis parce qu'il est très important et il est commun avec l'ensemble des mesures, c'est la bonne foi, la cohérence. Et là, clairement, pour pouvoir passer ce test-là, à supposer que, voilà, donc, qu'on mette en place ces mesures, il faudrait à la fois qu'elles soient mises en place à l'intérieur de l'Europe de manière cohérente et non discriminatoire entre les substances. Il faudrait terminer les dérogations, puisque c'est vrai qu'on ne pourrait pas exiger de nos partenaires commerciaux, par exemple, de ne plus exporter de denrées traitées avec les néonicotinoïdes si nous-mêmes, en Europe, on multiplie les dérogations qui permettent aux États de le faire. Il faudrait aussi accompagner ça d'actions diplomatiques, c'est très important dans le droit de l'OMC, et surtout interdire les exportations de substances trop dangereuses pour l'environnement, parce que ça serait vraiment incohérent d'aller soutenir qu'on met en place une mesure pour protéger l'environnement partout, mais au même moment contribuer à son aggravation en exportant ce type de substances dangereuses. Je suis allée dans les détails ici pour la première, mais je passe plus vite sur le reste. Dans les mesures dangereuses pour la santé, ce serait un autre accord, l'accord SPS, mais je vous dis, ça se rejoint. Peut-être l'argument en plus qui serait important, ça serait l'argument scientifique, c'est-à-dire démontrer que d'un point de vue scientifique, oui, le système des LMR aujourd'hui n'est pas complètement suffisant, notamment on pense aux substances qui ont des effets, même à faible dose, comme les perturbateurs endocriniens. Donc, une option minoritaire suffit. Ça a été aussi un autre rapport de l'affaire Hormone. Mais encore faut-il qu'elle existe. Donc, c'est un challenge. Mais si en Europe, on a jugé important dans le règlement pesticides de fixer des critères d'exclusion, c'est-à-dire de juger que certains standards, certaines substances en tant que telles étaient trop dangereuses, c'est bien pour une raison. Et donc, il faudrait démontrer pourquoi cette raison fait qu'on exige de l'appliquer également aux produits importés. Pour finir, les mesures miroirs sur les fixant des standards minimales en termes de bien-être animal, ça serait très similaire à la première analyse. Ici, ce qui est intéressant, c'est encore sur la nécessité, ce qui est intéressant, c'est voir que la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que l'exception de protection de la moralité publique incluait le bien-être animal. Et donc, on pourrait tout à fait s'en servir, et notamment pour montrer aussi qu'il n'y a pas d'alternative viable, notamment que tout ce qui est étiquetage ne marche pas très bien et de toute façon, sur certains sujets, ne permettent pas vraiment
de répondre à la demande des citoyens de ne plus participer, de ne plus voir sur le marché de produits qui ne respectaient pas certains standards minimaux, en tout cas de bien-être. Et ça, cette analyse, elle s'appliquera, voilà, comme l'a mentionné Mathilde, par exemple, sur la, si jamais cette mesure va au bout, sur l'interdiction de l'élevage en cage, puisqu'on sera exactement dans la même problématique, c'est-à-dire d'imposer une mesure aux éleveurs européens, tout en pour lui garantir son effectivité, son cohérence, il faudra bien l'appliquer aussi aux importations. Donc, en conclusion, sans même donc tout révolutionner le droit de l'OMC, il existe plusieurs options sur le regard des règles actuelles qui permettent de contrecarrer l'argument du risque d'incompatibilité des mesures miroirs. Et on peut tout à fait monter des dossiers solides. Je ne dis pas que c'est évident, facile, mais c'est possible et il faut explorer et creuser encore ces voies. Les conditions vraiment les plus importantes, ça sera de montrer que ce sont des objectifs légitimes, sincères, et ça, on l'a bien vu aujourd'hui, c'est vraiment le cas. L'idée, ce n'est pas d'aller contre le commerce, mais de garantir l'effectivité des mesures qu'on veut s'imposer à nous et leur acceptabilité. Donc, il faudra les démontrer, à pouvoir, pour les mesures donc sur la santé, arriver à étayer de manière scientifique leur nécessité de ces mesures, et très important, la cohérence de l'action. Et au regard de toute la présentation, en fait, si ces conditions peuvent être satisfaites ou sont susceptibles de l'être, alors prendre le risque de critique, prendre le risque voire même d'un différend, pourrait tout à fait être une approche raisonnable pour l'Union européenne. Merci. Thank you, Clementine. Thank you for this very detailed overview on the legal aspects of the issue. So the authors of the report have set out for us some of the challenging aspects that need to be addressed, and we are going to do it in this second high-level panel on agriculture, trade, and Green Deal. So we'll come back and touch very briefly on some of those points that the previous panelists mentioned. Meanwhile, we have tons of questions coming in on the Q&A. They are more directed to the second panel. Anyway, let me introduce our very distinguished panelists that we have here with us today. Once again, we have the Green MEP Benoît Biteau, Socialist MEP Éric Andrieu. We've already listened something from both of them, but we also have two top-notch guests. I start with Renate Künast, who's a member of the Bündnis 19 Die Grünen at the German Bundestag, so basically the Green Group at the German Parliament. And she's also a former Federal Minister for Agriculture and Food. But we also have Olivier de Schutter, who is the UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, and also former Special Rapporteur on the Right to Food. Thank you all so much for joining us here today. So let's have a first quick round of reactions on what we've just heard, can we? Let's start with Renate. So what are your takes on this report that has just been presented? First of all, I would like to thank you for this report and for this overview that clearly shows us one thing, that like so many agriculturists or farmers would say, we have a discrimination, and it comes because in many areas we have higher standards, not everywhere, and for the environment, the soils, livestock rearing, we have pesticides that are not authorized at home and that are authorized elsewhere. And if you take it to the extreme, Bayer produces pesticides that are not even authorized here. They are exported, and then you see them in residues in foodstuffs in the EU. Well,
I think that we have one question. I don't want to talk about the mirror measures that are right, but I would like to raise a question because I like the approach, and we need to see how we are going to transform our approaches on a political level. And we should not reduce ourselves only in saying that the European Parliament and that we demand in every area the mirroring to remove a discrimination for the environment and for the farming. Well, no, we have to think about what else can we do. In order not to have any issues with the WTO, as far as I'm concerned, there are two approaches. Firstly, we need to spread way more on the question, on the issue, to see how the discrimination of the farming world, the environment, can be addressed in a much larger manner. For example, with regards to the principle of provisions, we need to protect the children. There is the issue with the glyphosates that will continue for sure, the pesticides are harmful, and as far as I'm concerned, we need to focus much stronger also on the question to carry out issues, what these issues have in foods with children, reducing fertility and so on. We need to spread this. We need to discuss about it, that we don't not only talk about it within the EU and the civil society, with doctors, with scientists, and to scale up this issue. And I will get back to that. Why? Well, we do have good arguments, but at the moment, we also see that in the EU, for instance, the decision making with the common agricultural policies, there are reforms with non-like-minded countries where some countries that are blocking themselves. Hence, the strategic question is, how can we get more of a majority? How can we have more pressure? We need to establish more transparency to delegitimize this. And there will be new and greater alliances. Second point, and I will be brief. The question whether we can discuss this strategically, on what would we focus ourselves? And I would like to give an example. When you want to have a majority and when you have this as a basis to put pressure for European decisions, you need to see how to get alliances and how we could have Hungary to carry out reforms and to come along, Hungary being a hot topic currently. And then we need to take a look at the open debate and to also reach a point where the member states that are set aback a bit, that they are put in a position where they can show financial and economic interest that they want to exert as well. Regarding the questions, what are we focusing on? I would like to give an example. In this context, we should focus on what criteria does the EU negotiate their
negotiations, their agreements. And I thought that the example with the lentils was really interesting. And we need to focus on greater aspects, saying that we want that the criteria that are in the European agreements, that you don't have these closed shops decisions, where that you have issues like with Mercosur, where there's a green framing, but in reality, there are so many undefined topics, like deforestation is continuing. That's what we need to focus on. Secondly, we need to focus and have the idea on all the questions relating pesticides. And we really need to focus this and not have any discrimination in the production. And we need to delegitimize the pesticides even further in terms of their toxicity, talk about it and explain what it induces. We need to bring the parents on board explaining what their children eat. An example, a producer of baby foods, most of them in Germany are bio foods. And what I notice is that they don't produce any baby foods with spinach, because the values that you have with some residues and that are seen for infants, they are regulated in, they are regularly exceeded these standards. And that is why they cannot have organically grown anymore. And it is good that they react like that. But what happens in reality? Parents, when they cook on their own, they cook something for their children that exceeds the values, probably way more, even when they cook organic products. And this is important in the question of pesticides, where there's always political discussions. We need this to secure foodstuffs. And here we need to say that we do have essential issues with health. First, personally, I'm convinced in my job that the problems, the issues, the incidences need to be discussed and the agenda on a regular basis to put pressure politically so that there are a majority. There are so many topics, and for me, the questions, could we not say that we need to focus on the topic? What are the criteria that we, the Commission, the EU Commission, negotiate trade agreements? And secondly, for instance, to focus on pesticides. In terms of animals, well, we could talk about it extensively, but in the EU, we have great standards, and we could, I don't think that we could have this for them as well. Thank you. Wow, lots of food for thought, Renate. Let me put one of your questions to our guest, Olivier De Schutter, considering his experience at the multilateral level. So, Olivier, how can we get more pressure, as Renate said, and create alliances? What else can we do? And also, if you can share with us your thoughts on the report that we've just seen. Over to you, Olivier. Merci Gérardo et bonne matinée à tous et tous. Merci de m'accueillir dans ce panel tout à fait passionnant. J'aurais une série de messages à donner, mais je voudrais me limiter à, je dirais, trois messages clés. Le premier est le suivant, c'est que lorsqu'on évoque cet alignement des politiques extérieures, des politiques commerciales, sur les objectifs et les règles que l'Union européenne se donne au sein du marché intérieur, l'on dénonce parfois un risque de protectionnisme et une attitude protectionniste. Je voudrais dire très clairement que cette représentation est totalement fausse. Nous avons en réalité dans le Sud, dans des pays comme le Brésil, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, un très grand nombre de mouvements sociaux, d'ONG, de syndicats qui se battent tous les jours pour des normes sociales plus exigeantes, pour une meilleure protection de la santé des populations contre notamment l'usage de pesticides,
qui se battent pour la préservation de l'environnement et qui ne comprennent pas que l'Union européenne ne se serve pas des politiques commerciales pour faire pression sur les États qui sont ses partenaires commerciaux. Et ces ONG, ces syndicats, ces mouvements sociaux se sentent aujourd'hui abandonnés. Ce n'est pas seulement les agriculteurs et agricultrices de nos territoires qui se sentent désemparés par rapport à ces injonctions contradictoires que Nicolas Hulot, à juste titre, ainsi que Benoît Biteau, ont souligné. Ce sont aussi ces groupes dans le Sud qui veulent un développement durable, mais qui voient des gouvernements qui n'ont à l'esprit qu'un seul objectif, c'est la croissance économique et un développement qui méprise toute notion de durabilité et qui ne comprennent pas, je le répète, que l'Union européenne ne soit pas plus politique dans la manière dont elle se sert de cet instrument de la politique commerciale. Et Nicolas Hulot l'a rappelé, l'Union européenne, c'est quand même 18-19% du PIB mondial. Aucune filière mondiale, aucun secteur économique important ne peut ignorer les normes que l'Union européenne se fixe à elle-même, si bien entendu l'Union européenne a le courage politique d'imposer ses normes dans ses rapports commerciaux avec le reste du monde. Et donc nous avons une responsabilité, et ce n'est pas seulement une responsabilité à l'égard de ces mouvements sociaux, de ces ONG, de ces syndicats, de ces populations, c'est aussi une responsabilité à l'égard des normes que l'Union européenne elle-même s'est données. Rappelons tout de même que l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose comme exigence, vous le savez bien Gérardot, la cohérence des politiques en faveur du développement. Ça veut dire que toutes les mesures que l'on prend, et notamment en matière commerciale, doivent servir le développement, mais pas n'importe quel développement, le développement durable tel qu'il est défini par les objectifs de développement durable. Donc ça, c'est la première réflexion, je dirais, que suscite la présentation des auteurs du rapport. Deuxième réflexion, c'est que les outils actuels dont l'Union européenne s'est dotée sont insuffisants pour respecter cette exigence de cohérence. On a, c'est vrai, quelques tentatives encore timides d'aligner nos politiques commerciales sur les valeurs que l'on prétend défendre à l'intérieur de l'Union européenne. Et je voudrais citer trois des outils que nous utilisons pour montrer pourquoi ils sont insuffisants et puis dire qu'il y a un quatrième outil qui peut-être est plus prometteur, mais là encore insuffisamment exploré. Un, nous avons dans nos rapports avec les pays en développement un système de préférence généralisée. En fait, ce sont des accords, ou plutôt des voies d'accès préférentielles au marché intérieur qui dispensent les pays en développement de devoir s'acquitter de certains droits de douane ou de devoir respecter certaines exigences au nom de leur développement. Ce système de préférence généralisée a été au fil des années amélioré pour permettre aux pays qui le souhaitent d'accéder au SPG+, système de préférence généralisée plus, à condition qu'ils respectent des accords en matière de droit du travail, en matière de droit de l'environnement, en matière de droits humains. Et malheureusement, les accords internationaux sur lesquels l'on peut fonder ce système de préférence généralisée sont insuffisamment précis, justement dans les domaines qui explorent l'excellent rapport de la Fondation pour la nature et le progrès de l'homme, l'Institut Veblen et Interbev, le domaine des pesticides qui protègent la santé des populations. Donc, c'est un instrument qui existe, mais qui est insuffisant. Et il est utile pour encourager les États à adopter les règles de l'OIT, les accords en matière de droits de l'homme ou encore quelques accords multilatéraux en matière d'environnement, mais ces accords ne sont pas suffisamment précis pour pouvoir être je dirais, un outil efficace. Alors, deuxième outil dont l'Union européenne dispose, ce sont des outils qui, dans certaines filières, imposent certaines exigences précises en raison des risques spécifiques que ces filières comportent. Par exemple, en matière d'importation de bois, nous avons un règlement de 2010, le règlement 995-2010, qui subordonne l'importation de bois dans l'Union européenne à certaines exigences de traçabilité pour éviter qu'on se rende complice de déforestation. On a la même chose en matière de minéraux de conflit, diamants par exemple, mais pas seulement les diamants. C'est un règlement de 2017 sur les minéraux de conflit. Mais on n'a pas de règlement transversal qui couvre l'ensemble de ce que nous importons en matière de produits agricoles, et je pense que c'est un manque. D'ailleurs, je rappelle que quand nous avions conduit cette grande campagne, et Benoît Biteau en était un partenaire,
sur la politique alimentaire commune de l'Union européenne, qui en fait a précédé la stratégie alimentaire de la ferme à la table, From Farm to Fork, cette grande campagne d'ONG, de mouvements européens pour une politique alimentaire européenne, incluait parmi ses revendications l'idée d'un règlement transversal couvrant tous les produits agricoles pour que les exigences de durabilité imposées au sein de l'Union européenne soient imposées à nos partenaires commerciaux. Alors, il y a un troisième outil que l'Union européenne utilise, c'est les chapitres développement durable des accords de libre-échange qu'elle négocie. Et on a un plan d'action de 2018 qui est un plan par lequel la Commission européenne s'est engagée à renforcer les chapitres développement durable des accords de libre-échange commercial qu'elle négociait. Et c'est vrai que les derniers exemples de ces accords de libre-échange ont des chapitres développement durable, je dirais, plus robustes. On pourrait rentrer dans les détails. Je voudrais simplement dire que même l'accord Union européenne-Mercosur, dont la conclusion politique date de juin 2019, qui est présenté souvent comme un accord modèle parce qu'il a un chapitre développement durable qui peut être invoqué même en l'absence d'impact sur les flux commerciaux de certaines décisions de l'une des parties à cet accord, en fait, n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Pourquoi ? Parce que, à la différence des autres parties de l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur, la mise en œuvre du chapitre développement durable n'est pas contraignante pour les parties. En fait, le terme du processus, c'est un panel d'experts qui rend des recommandations et un rapport sur les allégations de violation des exigences en matière de développement durable de l'une des parties, mais ensuite, c'est un processus politique entre l'Union européenne et ses partenaires commerciaux qui entrent en jeu. Et bien entendu, aucun de ses partenaires n'a envie de se substituer à des ONG, à des syndicats pour dénoncer le fait que d'autres parties ne respectent pas leurs engagements en matière de développement durable. En d'autres mots, il n'y a pas de garantie indépendante du respect des clauses développement durable dans ces accords de libre-échange commercial. Et donc, on a une Union européenne qui s'est volontairement désarmée au nom du respect des disciplines de l'OMC, qui pourtant laisse aux États membres de l'OMC, aux membres de l'OMC, beaucoup plus de flexibilité que ceux-ci, en général, acceptent de le reconnaître. Et je pense, pour enchaîner sur ce que disait Clémentine Baldon, que très souvent, la réponse des politiques que telle ou telle action ou mesure serait contraire aux droits de l'OMC, c'est très souvent une réponse de mauvaise foi, dilatoire, mal informée. Il faut avoir le courage politique de le dire, le droit de l'OMC laisse aux membres de l'OMC de grandes flexibilités pourvu que ces flexibilités soient appliquées de manière non discriminatoire et proportionnée. On peut faire beaucoup mieux pour réconcilier les politiques commerciales avec les normes qu'on s'impose à l'intérieur de l'Union européenne. Je termine en disant ceci, c'est qu'il y a un outil qui peut-être est sous-estimé dans la palette des outils dont l'Union européenne s'est dotée pour être plus cohérente et pour respecter en fait cette exigence de cohérence des politiques en faveur du développement. Et cet outil, ce sont les outils anti-dumping. On a dans l'Union européenne des règlements anti-dumping. Le dernier est un règlement de 2017 qui aujourd'hui définit la concurrence déloyale comme la concurrence qui vient de pays qui ne respectent pas certains standards en matière notamment de respect de l'environnement. Donc, on pourrait renforcer les outils anti-dumping dont l'Union européenne s'est dotée, parce qu'il y a déjà dans le règlement 2017-23-21 une référence à la durabilité environnementale comme manière de définir ce qui est la concurrence loyale ou au contraire déloyale. Et l'Union européenne peut se protéger du dumping, de cette concurrence déloyale qui notamment ne respecte pas certains standards en matière d'environnement. Voilà, ça c'est quelques réflexions, Gérardo, que votre question me suggérait, et je suis ravi d'entamer le dialogue avec vous. I would like to say something because I have one sentence to add, if I may. Sure, Renata, go ahead. Yeah. Oliver de Schutter
mention dumping, cartel rights, then I forgot to mention a tool that I find very interesting. In all this battle, well, there are a lot of economic interests, with our states, and we need to have a majority. And it needs to be important for the civil society, for trade, for competitivity, to see who is better than the other on an ecological point of view or social, but also for members of parliament. And we need to have a law on the supply chain. And it is something important. There are some member states that do have it on a national level. We also have the supply chain law in Germany. And it is not sufficient on many points, but it has opened a door to a new area, the WTO, when it was created and set up all the production with a lot of untransparency, and there are controls for the companies. More and more, there are obligations in the supply chain. The EU Commission's also said it, to have a regulation of the supply chain within the EU. And I am convinced that this is a very strong element for an empowerment for many, because you can generate transparency. If need be, you can see, you said you had, you checked child labor, or they have ecological standards, but people on the premises said otherwise. So this would be a major tool for the civil society, a lot of lawyers, human rights groups who are equipped with something that I believe is one of the main points, because we could then also say, well, in a trade agreement, you agreed on certain things, and now look in the supply chains on each level. Well, we're saying this is not working because there is deforestation for animal breeding, or because illegal deforestation. And I am convinced that a supply chain law would be a central point of our toolbox on a European level. Thanks, Renate. It's always good to have the speakers, particularly when they interact. But we have a bunch of questions already here on soya, common agricultural policy, FTAs. But before moving to the real Q&A, I would just have a brief word on the report presented today from our MEPs, starting from Eric Andrieux. There was also mention on the outstanding article 188A that will keep you busy until Friday. By the way, the council seems still against the import tolerances. So correct me if I'm wrong, but please tell us your takes about the report. Oui, merci. Merci. Gerardo, très vite, hein, parce que je crois que le temps court, donc Benoît doit faire une belle conclusion, donc je vais laisser l'espace. Moi, déjà, sur le rapport, merci d'abord aux auteurs du rapport, mais voilà, donc juste deux mots sur la question donc, des clauses miroirs, parce que les clauses miroirs, vous les appliquez aux accords bilatéraux, donc c'est ce que j'ai cru comprendre dans ce qui est dit là. Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher, c'est important, c'est un élément, donc d'abord, c'est la bonne direction, évidemment, c'est un élément de la réponse, mais je pense que ce n'est pas l'élément de la réponse. On ne peut pas abandonner l'approche des accords multilatéraux. On ne réglera pas, je crois, la question du lien avec le climat avec une succession d'accords bilatéraux. Parce que l'addition d'accords bilatéraux ne fait pas un accord multilatéral. Donc voilà, donc ça c'était juste un élément juste de réflexion que je voulais poser. Il en était également, c'est la même logique que sur les accords unilatéraux. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la partie dans les antibiotiques résistants, mais ce qui a été voté hier, c'est aussi un accord unilatéral de l'Union européenne, donc qui fait avancer les problématiques. Donc moi je pense qu'il faut ne pas abandonner cette notion-là de vision plutôt holistique sur la notion des accords. Il n'y a pas un accord parfait ou des accords imparfaits. Je pense qu'il faut garder en tête qu'on peut avoir des accords bilatéraux, des accords multilatéraux, des accords unilatéraux.
Ça, c'est mon approche là, à l'état de nos travaux. Et on regarde ça, donc merci aussi à Clémentine donc, de son approche, mais juste un petit clin d'œil, vous savez, on est, et si vous répondez à la question, là actuellement sur la question d'arrêter les tolérances à l'importation de pesticides agissant sur la biodiversité et l'environnement, sur cette question-là, pour le mettre au sein de l'OCM, donc, hein, on a trois services juridiques, celui du Conseil, celui du Parlement et celui de la Commission, qui ne sont pas d'accord. Alors, j'entends bien l'analyse juridique faite par notre belle et charmante avocate, donc, hein, mais c'est quand même difficile de se mettre d'accord sur le droit européen pour savoir jusqu'où on peut aller. Or, nous, en tant que simple élu, en tant que parlementaire, on a besoin d'éléments factuels, finalement, d'analyse, et c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Quoi. Et j'entends bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec la proposition qui est faite, le cadre de l'OMC est un carcan pour nous. Donc, il faut se défaire du carcan. De nous, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on met cette approche-là de suppression des tolérances à l'importation des pesticides agissant sur la biodiversité dans le cadre de l'OCM, ou est-ce qu'on le met dans le cadre du règlement pesticides, c'est-à-dire le règlement qui va se raborder l'an prochain dans le cadre de Farm to Fork. Donc la question, ce n'est pas de trouver la bonne base juridique, c'est d'agir. Quoi. Enfin, il faut trouver la bonne base juridique, mais surtout, c'est dans l'action. Arrêtons d'être dans le commentaire. Et là, ça devient un sujet préoccupant, donc, hein, parce que le cadre de l'OMC, qui remonte quand même à 94, donc, hein, avait pour ambition, c'était ça, finalement, de supprimer, d'empêcher les États d'agir pour laisser faire le marché, quoi. Et donc, aujourd'hui, on voit bien qu'on est une problématique différente. D'abord, le marché, il est structurellement instable, donc il faut bien que l'on mette en place des outils de régulation, donc, hein, c'est ce que l'on défend là dans ce débat du moment. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire que dès lors qu'on s'affronte au détail des choix politiques, ben c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'on est à deux co-législateurs et une commission qui est là pour faciliter les décisions, et ce n'est pas toujours dans cette perspective-là que ça se situe. Donc les combats doivent être menés, je pense que c'est important, et Benoît Biteau, c'est ce dont je parle, donc je pense qu'il faut sortir du déni en matière d'OMC, et de dire qu'on ne relancera pas le multilatéralisme si on ne change pas les règles du multilatéralisme. Donc nous, on est en train de préparer une déclaration commune, c'est ça l'enjeu, pour qu'effectivement les trois institutions posent un acte politique fort, de telle sorte que nos négociateurs au sein de l'OMC puissent faire avancer les règles de l'OMC. Moi, j'entends bien qu'on peut avancer à règles constantes, mais sincèrement, vu les enjeux climatiques et environnementaux, il va falloir qu'on décide collectivement de faire évoluer les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Sans cela, nous serons vraiment en retrait par rapport aux enjeux politiques liés au climat, à l'environnement, à la biodiversité et à la santé humaine. Voilà juste ce que je voulais rajouter en quelques secondes pour laisser le temps à Benoît de conclure cette excellente rencontre. Et moi, je tenais vraiment à remercier tous les intervenants. Merci beaucoup, dans tous les cas, de cette invitation. Thank you, Rick, and thank you for the anticipation of the political declaration on trade. We know that it's another point in the ongoing negotiation on common agricultural policy. Very briefly, I give the floor to Benoît for his remark on the report, and then we start the final Q&A. Can you hear? Merci Gérardo. Beaucoup de choses ont déjà été dites en ce qui concerne l'Organisation mondiale du commerce et je ne vais pas en surprendre beaucoup en disant que le fait qu'on ne revisite pas les règles, le règlement de l'Organisation mondiale des commerces ouvre la porte d'une part à des accords bilatéraux, c'est-à-dire que dans la mesure où les discussions multilatérales sont en berne, eh bien, effectivement, dans ces logiques d'échanges mondiaux, c'est des accords bilatéraux qui prennent le dessus. Ça, c'est le premier aspect des choses. Et le deuxième aspect des choses, c'est que ces règles de l'OMC, ça vient d'être dit par Eric Andrieux, mais je tiens à insister là-dessus, sont parfaitement éculées, sont parfaitement hors d'âge. Alors, quand on parle du cognac, quand il est hors d'âge, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais quand on parle des règles de l'OMC, c'est nettement moins
pertinent. Et là, en l'occurrence, on a besoin de retrouver dans les règles de l'OMC d'abord plus de transparence, d'abord plus de vertu dans ces règles-là, mais on doit aussi les actualiser et ne pas faire de l'Organisation mondiale du commerce la seule boussole de nos échanges internationaux. Et là, on doit intégrer de nouveaux traités internationaux, et j'ai parlé tout à l'heure de l'accord de Paris, et je pense que c'est un bon exemple au lendemain d'un nouveau rapport du GIEC qui a fuité et qui nous alerte sur le fait que on doit agir très 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 vite, et donc là on doit intégrer dans les règlements de l'Organisation mondiale du commerce d'autres traités internationaux qui, cette fois, convoquent une approche globale qui nous permettent donc d'avancer sur d'autres logiques dans la façon dont on échange à l'échelon mondial, et qui revient sur le propos de Nicolas Hulot au tout début de cet échange, qui nous invite à faire des échanges mondiaux un outil, un support, un levier pour que, dans le cadre des urgences autour de la biodiversité, autour du climat, autour de la santé, on fasse évoluer la nature de nos échanges, la façon dont on échange à l'échelon planétaire, de manière à ce que, dans cette approche globale, on intègre ces enjeux-là. Et ce n'est pas du tout ce qui est sur la table aujourd'hui. Et là, l'Union européenne doit jouer pleinement son rôle, c'est-à-dire que l'Union européenne, qui se revendique être un leader mondial sur ces enjeux-là, doit exiger la mise en conformité des règlements avec ces grands défis, avec ces grands périls qu'il va falloir qu'on attrape à bras-le-corps, parce qu'il y a un caractère d'urgence. Thank you, Benoît, and thank you for having mentioned this report, the IPCC report, that was actually mentioned by someone in the chat who's posing this question. Again, the people from our audience are asking if the report remains alarming, this one from the IPCC, climate change is continuing and the social and economic consequences are worrying. He asking if another common agricultural policy is possible, and although doesn't seem to be something possible again. And he's also asking if local exchanges and circular economy could be encouraged while free trade agreements are basically multiplied. So I want to pose this question to Renate. So basically what her talked about the common agricultural policy, and if, this dichotomy between local exchanges and free trade agreements seems a bit schizophrenic, no? Because I mean, the EU is actually pushing on short supply chain in the farm to fork strategy, but still having a very ambitious trade policy. So I ask this to Renate, and then immediately after to Olivier. Ja, danke für die Frage. Thank you for this question. I definitely am not satisfied with what we are probably going to see as a result in a few days to change the common agricultural policy. Why is that so? Well, these are small operators because the Council on Agriculture is going backward, and now it seems that when they have the reallocation of funds, well, there are conditions and they are moving a bit more, but they should have better conditions that need to be improved. And as far as that is concerned, in terms of the mirroring category for our European agrar policy, it would be a model to support the imports. That's what would we expect, but I don't see that. What we would really need, and this really goes with the trade agreements, and we should say that we need to
have the common agricultural policy with accords like the Paris Accord to have 1.5 degrees. This would be the base for the farming world, where there's no more water, no more fertility of the soils. They will not be able to work, and they will rely on imports if we are still competitive with the imports for foodstuffs. So the CAP is not helping, and the Greens, we also say in this context that in this and in the next 7-year period, we need to carry out a change for so that the CMBP is common, and to get rid of the old system only for certain ecological or social services, or for farm, for animal protection, and then we can see and what arrives there. And there are many countries that are blocking, even in Germany with our Minister of Agriculture. So I believe that the pressure must come from the outside, much stronger. They are losing social acceptance with this type of policy. And if we want that other countries change as well, other countries that export into our country, they are also in a competitive situation. If we say, well, we want certain products with less chemical residues, that's even with least developed countries, well, they can say in the meantime, well, then we'll export them to China, for example, because the demand for foodstuff is high. And it will only work if we show it on our market. And we need to show the example on our market. It should be a success model. But this also means that here people should change the way they go shop. How do you do this on an individual basis? Well, you need to associate it to the agriculture policy so that the farming world is shown that the behavior of the consumers are changing. Kindergarten, canteens, universities, senior citizen homes, they need to change on organic protection of the animal world, and also show to third world countries that there's a demand that is reliable, and that is why the change needs to be a central point for our topic and for the health. Thanks, Renate. And I basically asked the same question to Olivier. So basically, his take on the common agricultural policy, and also on, you know, as I said, this kind of schizophrenic approach in pushing EU trade and at the same time small supply chain in the farm to fork strategy. And I also want to ask you a question on the environmental chapter of the of FTAs. It's another one that comes from our audience. They basically say that how can sanctions can be put in place if the environmental chapters of FTAs is the only non-binding one, and what are your suggestions on dispute settlement system in this area? Merci beaucoup, Gerardo. Alors, tout à l'heure, Eric Andrieux disait à juste titre, nous avons deux commissions européennes selon la partie de la Commission européenne vers laquelle on se tourne. On a tantôt un discours qui prend au sérieux le défi du changement climatique, de la perte de biodiversité, de la nécessité de changer nos systèmes agricoles et alimentaires. Et puis, on a d'autres parties de l'Union européenne, et Eric Andrieux citait la DG Commerce et la DG Agri, qui, au contraire, restent coincées dans un modèle du XXe siècle, qui mise sur les économies d'échelle, sur les gains de compétitivité à l'échelle mondiale, les cultures, les grandes cultures d'exportation, au détriment de l'environnement comme de la santé des populations. Et je crois qu'on peut certainement en dire autant de la politique agricole commune. Il y a deux politiques agricoles communes.
Il y a depuis 1993 des tentatives successives de verdir la politique agricole commune, mais il y a, je dirais, un ADN central qui reste inchangé et qui favorise effectivement les grandes monocultures, la perte de biodiversité que cela entraîne, la concentration agraire avec le développement de très grandes exploitations agricoles capables de réaliser des économies d'échelle et d'être compétitives sur les marchés internationaux au détriment de l'agriculture paysanne, de l'agriculture raisonnée qui explique la disparition à grand rythme des plus petites exploitations agricoles dans toute l'Union européenne. Alors, moi, je crois que la politique agricole commune, pour être conforme aux objectifs de la stratégie alimentaire de la ferme à la table, devrait être révisée de manière beaucoup plus fondamentale que ce qu'on a aujourd'hui sur la table. D'ailleurs, je rappelle tout de même que les propositions de réforme de la PAC datent de juin 2018, donc de la commission Juncker, et que la commission von der Leyen n'a pas eu le courage de retirer ses propositions pour revoir de manière plus fondamentale la PAC, bien que le vice-président Frans Timmermans avait évoqué ce scénario à un moment donné aux grandes dames de ses collègues au sein du Collège des commissaires. Donc, on reste au fond avec une PAC qui, pour l'essentiel, n'est pas à la hauteur des enjeux de la transition écologique. Quel est le lien avec le commerce? Ce lien est évident, c'est que dès lors que l'Union européenne veut se profiler comme une puissance agricole mondiale, et dès lors qu'elle veut continuer, je dirais, à approfondir la division internationale du travail en matière de production agricole, elle ne peut pas faire autrement que d'avoir une politique agricole commune qui ne nuise pas trop à la compétitivité de nos grands exploitants agricoles et qui expose, malheureusement, les populations européennes à des risques pour leur santé, mais aussi qui s'expose à l'accusation d'importer des produits dans des conditions qui contribuent à la déforestation, à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et à la pollution des sols et des réserves aquifères. En fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le commerce a trois conséquences très perverses sur le développement durable, et la politique commerciale en matière de produits agricoles reflète ces perversités. Un, le commerce international des produits agricoles encourage la production en grande monoculture, ce qui, du point de vue agronomique, est très problématique. Ça conduit à l'érosion de la biodiversité, ça conduit à ce que les sols ne peuvent plus remplir leur fonction de puits de carbone. Et je ne crois pas que l'on puisse sérieusement prétendre aller vers une neutralité carbone à l'horizon 2050, une réduction de 55% des émissions nettes de gaz responsables de l'effet de serre à l'horizon 2030, si l'on ne revoit pas nos manières de produire. Mais nos manières de produire sont aujourd'hui influencées par des politiques commerciales qui favorisent les pratiques agronomiques inverses de celles qu'on devrait encourager. Deuxième perversité, c'est qu'on a une sorte d'économie alimentaire low cost, on veut réduire le coût de l'accès à l'alimentation pour des populations, et donc on est très hésitant à imposer des contraintes à la fois aux producteurs chez nous, mais aussi aux producteurs dont on importe, dès lors que cela augmente le prix de l'alimentation. Et ceci est une sorte de explique cette schizophrénie dans laquelle on est. Je pense extrêmement important de rappeler que le commerce doit être au service du développement durable et ne doit pas simplement avoir pour objectif de réaliser des économies d'échelle et des gains d'efficience par un approfondissement de la division du travail. Troisième conséquence du commerce, c'est que nous comptabilisons les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, comme le veut la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, sur une base territoriale, et non pas sur base de ce que nous consommons en réalité. Et on a une comptabilisation des gaz à effet de serre qui donc donne une image
fausse de la réalité, parce que ce qu'il est trop difficile de produire chez nous, parce que cela augmenterait nos émissions de gaz à effet de serre, nous confions à d'autres le soin de le produire pour nous. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, en moyenne, l'Européenne émet 7 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone par an en gaz à effet de serre, 3,5 gigatonnes pour l'Union européenne. Si on incluait tout ce qui résulte de nos importations, ce serait 8 tonnes par personne, ce serait un total de 4 gigatonnes pour l'Union européenne. Et donc, on est dans un système où les véritables coûts de nos politiques commerciales sur l'atténuation des changements climatiques n'est pas véritablement comptabilisé. Je pense que c'est un troisième problème du système actuel. Donc, je crois que la politique agricole commune de nos rêves devrait favoriser les exploitations qui pratiquent une agriculture beaucoup plus durable, qui créent de l'emploi. Les primes, les subventions, 58 milliards d'euros par an, devraient aller vers les exploitations agricoles en fonction du nombre de travailleurs et travailleuses agricoles employés et en fonction des services environnementaux que ces exploitations rendent, et pas en fonction des hectares cultivés, parce que c'est ça le système actuel qui est très problématique. Merci. Thanks a lot, Olivier. I will unfortunately have to start wrapping up now because of the time restraints that we are all subject to. And I just get to give Eric Andrieu one quick question, just picking up on a point from earlier about alliances, which was mentioned by Renate. So with which countries do you think we can forge alliances to change WTO rules and how to proceed strategically? Eric, what's your thoughts on this? Eric, are you still with us? There might be some technical problems. So I'll basically give the floor to Benoît Biteau, our actual host today. What do you think is the main takeaway from today's discussion, Benoît? Merci Gérardo de me donner la parole. Ce sera sûrement la parole de conclusion. Ce que je retiens, c'est d'abord la qualité des échanges, ça c'est sur la forme. Je remercie infiniment tous les panélistes, que ce soit ceux de la Fondation Nicolas Hulot et Nicolas Hulot en personne, mon collègue Eric Andrieu, bien sûr Renate et Olivier qui apportent des éclairages absolument déterminants, Interbev, enfin tous les intervenants ont été d'une qualité remarquable, et donc que Clémentine Baldon, j'ai oublié, et pour Veblen, Mathilde Dupré, donc Samuel Léret, bien sûr, Marine Colli, enfin bon, je vais pas ces interventions étaient absolument éclairantes. Moi, ce que je retiens, c'est que nous devons absolument, effectivement, changer le cadre réglementaire de l'Organisation mondiale du commerce, intégrer d'autres logiques, d'autres traités comme les accords de Paris qui sont absolument indispensables, et faire en sorte que dans notre démarche de marché et de commerce international, on n'y trouve plus les contraintes qu'on y trouve aujourd'hui, mais plutôt des leviers du changement dans l'intérêt général. Donc ça, c'est quand même un sujet important, et il va falloir, si les règles ne sont pas bonnes, que l'Union européenne ait l'audace, le courage d'aller en négocier de nouvelles. Mais j'ai envie de conclure sur un message d'espoir, parce que, et rebondir sur ce que vient de dire Olivier de Schutter, mais également Renate, qui faisait le constat d'une PAC qui n'était vraiment pas à la hauteur des enjeux et qu'on pourrait valider pour 7 prochaines années, alors que les spécialistes, les scientifiques nous disent qu'on a moins de 10 ans pour changer les choses si on veut sauver l'humanité à la surface de cette planète, et reprendre à la fois ma casquette de paysan et ma casquette d'élu au Parlement européen, avec les deux visières à gauche, hein, parce que j'assume ce côté-là, et tenter de faire un pas de côté.
On est aujourd'hui dans les phases finales de négociation de la PAC. On va la voter, nous, au Parlement européen, en seconde lecture au mois de septembre. Tout le monde semble vouloir être résigné en disant elle va passer comme ça et on n'aura pas le choix. Elle est mauvaise, mais on va devoir faire avec. On a encore une solution qui consiste à pouvoir ne pas la voter au mois de septembre. Et qu'est-ce qui se passe au mois de septembre si on ne la vote pas ? On va devoir intégrer les deux rapports de la Cour des comptes européenne, celui de 2018 et celui de 2020, qui expliquent en quoi cette PAC n'a pas de vertu environnementale, qui expliquent pourquoi cette PAC ne plaide pas ou n'accompagne pas la transition agricole vers la préservation du climat, vers la préservation de la biodiversité, vers la préservation du revenu de nos paysans, vers la préservation de la souveraineté alimentaire du continent européen. On a ces deux rapports de la Cour des comptes et on ne pourra pas, en 2021, sur une PAC qu'on réécrirait, ne pas tenir compte de ces rapports. On ne pourrait pas non plus ne pas tenir compte de la feuille de route pour le climat qui a été votée là au début de l'année 2021. On ne pourrait pas non plus tenir compte de la stratégie de la ferme à la fourchette qu'on va voter là au mois de juillet, de la stratégie pour la biodiversité qu'on vient de voter au mois de juin. Et donc, on peut changer encore cette politique publique. Et si on la change, c'est pour la changer vers plus de conditionnalité. Et ceux qui nous rétorquent que plus de conditionnalité, c'est du protectionnisme, en quoi est-ce qu'une conditionnalité qui préserve le climat serait du protectionnisme ? Le climat est un enjeu mondial. En quoi est-ce que poser de la conditionnalité qui préserverait la biodiversité serait du protectionnisme ? La protection de la biodiversité est un enjeu mondial. En quoi est-ce que protéger ou conditionner à des règles sociales davantage de revenus pour des paysans serait du protectionnisme ? La problématique sociale est aussi un enjeu mondial. Et donc, c'est tout ça qu'il faut installer dans les politiques publiques. Et donc, sortir d'un soutien aux revenus dans des logiques de dumping où la loi de marché fait qu'on est toujours dans cette fuite en avant pour essayer de soutenir le revenu des agriculteurs qui sont menacés par ces logiques de dumping, et faire le choix d'une rémunération pour services écosystémiques, d'une rémunération parce que les agriculteurs rendraient service à l'intérêt commun. Et ça reprend l'exemple des lentilles de Samuel au tout départ. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourra continuer de vendre des lentilles, mais on pourra peut-être les vendre moins cher parce qu'on aura rémunéré l'agriculteur dans d'autres logiques que la logique basée sur les lois de marché. Et si la lentille européenne a quelques bruches, c'est que dans la parcelle où on a récolté la lentille, il y a encore de la biodiversité, il y a des lentilles qui ont fixé l'azote atmosphérique et donc enrichi les sols, et il y a dans ces parcelles également des recherches de lutte contre le changement climatique. Et donc, on doit absolument faire ce pas de côté. Donc voilà, c'est ce message d'espoir. Moi, je crois qu'on peut encore faire bouger les lignes, ce serait un coup de tonnerre, mais on doit faire de la politique pour servir l'intérêt commun. Et donc, au moment où on parle tous du Green Deal, au moment où on s'émeut tous du climat ou de l'effondrement de la biodiversité, nous devons avoir l'audace de pouvoir tenter changer cette PAC qui représente plus du tiers du budget total de l'Union européenne et qui est donc éminemment stratégique, éminemment centrale pour faire changer les choses. Et donc, je pense qu'on peut faire bouger encore les lignes. Et donc, c'est en ça que je crois et c'est comme ça qu'on va se battre. Il me reste à remercier encore une fois tous les intervenants, à remercier bien sûr les interprètes. Et là, ils ne doivent pas se marrer parce que je sais que je parle un peu trop vite, mais je les remercie d'avoir fait ce travail remarquable de traduction. Je remercie aussi Gérardo qui a accepté d'animer ce débat. Et je remercie bien sûr toute mon équipe qui autour de moi travaille sur la volonté de changer cette PAC et qui a organisé cet événement qui, je pense, est réussi. En tout cas, moi, j'en suis très satisfait au regard de la qualité des interventions qu'on a pu entendre et écouter ce matin. Donc, merci à vous tous. Et j'espère qu'on pourra se revoir au mois de septembre avec un message d'espoir et une PAC qui embrasse d'autres trajectoires que celles qu'elle embrasse depuis le XXe siècle.